Ladies and gentlemen, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Bougez pas, j'avais pas programmé un petit truc. Voilà, bonjour, on est de retour après pas mal de vacances, ici même. J'ai oublié de retweeter quand on était en live, what the fuck. Eh bien écoutez, let's go, on va retweeter ça tout de suite en direct. Hein. Écoutez, on s'adapte hein, aux bêtises que je fais. On va aussi très rapidement récupérer, bien sûr, Barbie, puisque si vous savez lire le titre du stream ou si vous êtes un habitué, vous savez que on est là pour caster la sixième manche du GT America organisé par la SRC de Gary Hobson. Et je vais récupérer mon ami Barbie. Bonsoir Barbie. Bonsoir. Barbie, tout calme, c'est étrange. Barbie, je te laisse nous parler rapidement. On n'a pas encore l'image du jeu, etc. Parce que tu sais, je dois annoncer quelques trucs. Oui. Je te laisse quand même parler du programme de cette soirée, le temps que je termine quelques trucs. Mais le temps que tu termines de tweeter, c'est ça? Non, du tout, c'est bon. Ah, ok. Eh bien, ce soir, on va avoir la sixième et la septième manche du championnat GT America organisé par la SRC. Les deux manches se joueront pour une durée de 30 minutes chacune, avec 15 minutes de qualification sur le circuit d'Indianapolis, les deux, avec, si je ne dis pas de bêtises, et non, j'allais dire des bêtises, donc je pensais qu'il y en avait une de nuit, mais non, pas du tout. Les deux seront deux jours, par contre, une météo très capricieuse est annoncée, puisque, sans vouloir vous spoil, eh bien, j'ai déjà sorti mon parapluie. Oui, il me semble avoir vu quelques gouttes tomber sur le circuit. On va bien sûr y aller rapidement avec nos amis viewers, oui, mais à qui on a quelques... Je suis curieux de ce que vous avez annoncé, cher ami. Bon, vous en plus savez une partie, mais pas forcément les parties les plus intéressantes, mon ami Barbie. Et donc, du coup, on va commencer par rappeler quelques petits trucs. Donc, je suis désolé, du côté de Gary, on lui pique un peu la soirée rapidement hein, sur le début de live. On en reparlera en milieu de live et en fin de live, bien sûr. On va en reparler tout le long de ce live. Mais est-ce que vous vous rappelez les 24 heures Forana?
événement annuel organisé par Pouetos, aidé, il me semble, de la TX3 et bien d'autres personnes, notamment aussi notre ami Adix qui gère le site. Donc, bref, aidé à pas mal de gens. On est dessus depuis 2 ans et l'année dernière, on a fait un bel événement, nous, autour de ça. On a fait les équipages HCR à la Gaming House de La Source sur Lyon. Et on avait participé, etc. On avait mis des donation goals. Est-ce que vous vous souvenez de ces donation goals ou non, mon ami Barbie? Absolument, je les ai revus tout à l'heure sur, sur Twitter. Pour, Exactement. Moi aussi, je, voilà, je, pour être tout à fait honnête. Mais il y en a un, je me souviens, le jour J, j'ai failli venir le jour J. J'ai vraiment failli prendre le train le matin même pour venir, voire prendre ma voiture pour venir et arriver par surprise. Mais les choses ont fait que oui, ça n'a pas été possible. Compliqué. Mais j'ai vu un donation goal et je me souviens être devenu fou, complètement fou, puisque il me semble qu'une certaine boîte à MP Discord a été quelque peu spammée quand j'ai aperçu le donation goal. C'était lequel, mon ami Barbie? Et alors, il me semble, sans trop vouloir m'avancer, que c'était le palier à 1000 euros. Alors, on avait plusieurs paliers. On a déjà fait, bah, je vous dis tout, sur projet Endurance LDLCOL, qui était tout simplement LDLCOL Endurance Series, que c'est l'on vrai, a fait tout avec à fait. Barbie. C'était vraiment cool. C'était on a chouette. Le live karaoké à faire. On a la reprise du sport, une live session sport qui a été à moitié faite parce qu'on a repris un peu Ring Fit, mais vu que j'ai déménagé et que j'ai dû rendre la Wii, etc., bah, on n'a pas pu continuer. Mais on va trouver un autre moyen de continuer. Vous inquiétez pas, donc merci beaucoup à Kevin qui fait poète poète et qui nous envoie son resubscribe de 45e mois. Merci beaucoup à toi, je t'en remercie. Donc c'est pour ça que je vous ai mis à demi fait, je vous prends pas à comme un salaud. On va remettre un truc autour du sport pour vraiment valider ce donation goal et quoi qu'il arrive, moi j'en ai besoin sincèrement. On a donc aussi course d'un tour en marche arrière. Ça devait être simple à mettre en place et finalement ça ne s'avère pas si simple à mettre en place. Il y a une petite technique à faire, etc. Donc on va voir pour le caler à un moment donné, vous inquiétez pas. Live karaoké, il va être fait avant la fin de l'année, c'est sûr, j'attendais juste de déménager. La HCR organise une endurance de 24 heures, la reprise du RP, j'organise une endurance LDSOL en direct de 6 heures, en direct des studios à Lyon avec une team Kamak, Zerak, Ilius, et il y avait un live stage de pilotage mais qu'on n'a pas atteint, sinon je serais en train de conduire déjà une voiture incroyable. Après le stage de pilotage il peut être fait mais pas en live quoi. Oui, ouais, c'est ça, voilà. Donc du coup on avait atteint le palier de 1000 euros qui est déjà assez énorme, et donc le 12 novembre, mes amis, nous allons effectuer l'un de ces donation goals qui n'a pas encore été fait. À votre avis, lequel? Je vous laisse en discuter dans le, ah, je dans pense le live. Que... moi, Barbie, je peux donner ton avis. Moi, je pense que ça va être la reprise du RP. La reprise du RP? Ouais, ouais, je pense qu'il y aura du RP le 12, ouais. Regarde mon maillot, Barbie. Mais je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu avant même que tu le montres, je l'ai vu ton maillot. Je l'ai reconnu. Non, je pense, qu'il y aura du... je pense que le 12 novembre, il y aura du roleplay. C'est sûr et certain. Alors, 12 novembre, du roleplay pour Barbie. Pour les autres, ce serait quoi dans le chat, là? N'hésitez pas à discutailler. Pour vous, ce serait quoi? En attendant, on vous rassure. Ah, mais attends, je sais. Non, est-ce que je peux revenir sur mon choix ou pas? Vas-y, mon ami Barbie. T'as eu un rameur? Oui. Bah, un mélange entre reprise du sport et oui, non, mais reprise du sport et en roleplay. Voilà. Reprise je mélange les deux. En roleplay. On a failli faire un live piscine, hein, comme le disait Yonit. Bonsoir à toi. On a failli faire un live piscine en vacances. Vraiment, ça s'est joué à deux doigts. Non, ce n'est pas ça. Tout simplement, nous allons avoir le plaisir de faire une endurance de 6 heures à Monza le samedi 12 novembre à 14h en direct des locaux LDLCOL. Ce sera sur ma chaîne, mais en direct des locaux LDLCOL qui nous prêtent leur studio, leur matériel. Bref, la totale, on va être comme des rois. C'est sponsorisé par Redion, que vous connaissez depuis quelques lives maintenant, dont vous voyez le logo, vous pouvez faire le point d'exclamation Redion qui comment ça s'appelle, va vous mettre le lien direction le site de Redion. On vous en dira un peu plus de comment va jouer Redion dans cet événement, puisqu'à la base c'est juste un donation goal qui est validé. Donc on se rappelle du donation goal, c'est 6 heures en d'endurance en direct des locaux LDLCOL avec une team Kamak, Zera, Kilius. Donc, bien sûr, il y aura
Kamak en participant en direct des locaux. Il y aura moi en direct des locaux. Il y aura quelqu'un d'autre en direct des locaux. Il y aura notre ami Xerac qui sera logiquement à distance. Malheureusement, il ne peut pas venir sur place. Le reste vous sera annoncé un peu plus tard puisqu'il y aura des teams de streamers dont on va. Merci beaucoup Spice pour le 12e mois d'abonnement. Merci beaucoup pour ton resubscribes. Et donc je vous disais que voilà, il y aura des teams avec ces streamers. Un peu si vous vous souvenez les 24 heures du Mans qu'on avait organisé il y a moult temps sur Project Cars 2, et bien là on aura cette version là mieux faite, un peu moins longue vu que c'est un 6 heures de Monza, et il y aura des équipes de streamers sur place. On va vous dévoiler les invités au fur et à mesure des jours qui suivent. On va également il faut que je fasse ça en même temps, c'est vrai, j'allais dire. Mais du coup j'avais raison, parce qu'une course c'est un peu du sport, et puis il y aura du roleplay du coup. Exactement. Parce qu'il y aura des équipes qui vont sûrement jouer roleplay. Donc j'avais raison, voilà. Et qu'est-ce que j'ai gagné du coup ? Eh bien rien du tout, vous pouvez recommencer. Ah super ! Je suis trop content, donc, c'est le plus beau jour de ma vie. Ces 6 heures, eh bien c'est vraiment pour faire la fête, ce sera accessible à tout niveau. Il va y avoir sûrement Kamak qui ne connaît pas vraiment bien la simulation, Xerac qui a des facilités sur la simulation mais qui pareil n'est pas un grand pratiquant de cette simulation. Donc on aura des gens pas forcément à l'aise, et donc il faudra bien sûr prendre en compte ça. C'est pas un championnat du monde, va rien avoir de spécial à gagner, on va pas vous faire gagner des milliers et des milliers d'euros. Faut vraiment venir pour faire la fête 6 heures sur Monza tous ensemble. Donc logiquement vous avez sur le Discord un chat qui va vous être ouvert à tous, à la visibilité, avec un peu ce que je viens de vous dire. Tout simplement, il y a déjà l'événement qui est visible sur le site pour les inscriptions, mais les inscriptions commenceront à la fin de cette course, puisqu'on va en rediscuter à la fin, et les pilotes qui conduisent ce soir voudraient peut-être s'inscrire, etc. Donc on va ouvrir les inscriptions après cette course, après le cast de cette course qui va avoir lieu ce soir. Et donc voilà, ce sera 6 heures en équipage de 1 à 3. Je dis 1 parce qu'on va autoriser les pilotes solo, mais on va pas les mettre en priorité. Ce sera priorité aux équipages qui s'inscrivent à 2. Vous pouvez aller jusqu'à des équipages de 3. Il y aura pas vraiment de règles spéciales à part un temps de roulage maximum par pilote qui est de 4 heures. C'est large, c'est juste pour être sûr qu'au moins quand sur les équipes de 2, eh bien il n'y en a pas un seul qui fasse toute la course. Et il faudra vraiment venir dans l'esprit fun, détente, passer un bon moment entre potes, rouler pour le plaisir, parce que tout simplement c'est l'accomplissement d'un Donation Goal des 24 heures Fauna. Et je vous rappelle que les 24 heures Fauna, c'est un événement caritatif pour venir en aide à une petite fille, et c'est Pouetos qui a mis tout ça en place, et sera le mieux à même d'en parler. Je vais essayer de le contacter dans les jours qui suivent pour voir s'il veut venir faire un petit passage pendant l'événement, parce que après tout, c'est, comme je le disais, c'est un accomplissement de Donation Goal des 24 heures for Anna. Et donc, on lui demandera s'il veut venir discuter de tout ça. Donc voilà, ça aura lieu le 12 novembre. Il faut vraiment venir avec un esprit chill, parce que je vous le dis, va y avoir des pré-qualifs, mais ce sera premier inscrit participant. La personne qui s'inscrit participe, point barre. Si vous êtes on va ouvrir 50 places, si vous êtes le 51e inscrit, c'est pas parce que lors des pré-qualifs que vous ferez quand même pour au cas où qu'il y a des abandons avant la course, etc., c'est pas parce que vous êtes meilleur que 30 voitures devant vous que vous allez être pris. Nous on va fonctionner vraiment au premier inscrit, premier intéressé participera quel que soit le niveau. C'est vraiment pour passer un bon moment, donc c'est pas la coupe du monde du sim racing. Voilà, si vous n'êtes pas dans un esprit de détente, ça sert pas à grand chose. Bien sûr, il faut que le compétitif reste là, ça reste une course, mais faut pas crier au scandale si une personne qui débute vient vous mettre malheureusement un peu hors piste ou fait un truc un peu bizarre. Il faudra pour les très très bons pilotes qui ont l'habitude des scènes quasiment pro ou demandant un gros gros niveau, une grosse adaptation. Donc ça peut être un défi pour vous également, gros pilote, j'ai envie de dire. Donc voilà, mais il y a un warning qui est mis dans le message qui vous reprécise que c'est accessible à tout niveau, et que dans tout niveau, il faut bien
Prendre ça en compte quand vous allez vous inscrire. Du coup, pour ce soir, on va quand même revenir sur la course de ce soir, mon ami Cinq Barbie. minutes. Donc, dans 5 minutes, on va voir les qualifications et on va pouvoir passer en jeu. Bonjour à Gary Hobson. Désolé, Gary, on t'a piqué un peu de début. On va se rattraper, t'inquiète pas, mais c'était pour parler du Donation Goal que j'accomplis, qui avait été fait lors des 24 heures Forana, qui était d'organiser une endurance 6 heures avec Kamak, Xerac, en direct des locaux LLC. Donc, il y aura un cast. Je ne serai pas au cast, mais il y aura du cast en direct des locaux LLCOL, comme on l'a fait pendant les LLCOL Endurance Series. Donc il y aura un joli cast sur place, il y aura les équipages de streamers, tous ceux qui peuvent venir, et il y aura une partie de la commission de course sur place, avec une point de vue, une communication directe avec nous. Bref, va y avoir, vraiment, ça va être super stylé à voir. Donc, je vous invite à suivre ça. Vous enregistrez si vous avez envie de participer. Ce sera ouvert après cette course, je le rappelle. Les personnes qui feront le cast, les personnes qui seront à la commission, les streamers, etc., vous seront dévoilés au fur et à mesure des prochains jours. Donc, on n'hésite pas à relayer l'information, commencer à en parler, commencer à aller chercher le copain pour dire tu veux t'inscrire avec moi, etc. Vraiment, venez parce que si ça marche vraiment bien, ce système, ce setup qui va être mis en place, si ça marche vraiment bien, ça peut donner un bel avenir aux événements. Voilà. Serait-ce un avant-goût d'un autre Donation Goal à tout hasard? Bah, écoutez, Clin d'œil, clin d'œil. si on reprend les Donation Goals. Voilà, il y en a un qui était à 500 balles, qui a l'air intéressant, quoi. Une endurance de 24 Ouais, heures, clin d'œil, c'est ce que je ça a dis. l'air cool. Si on peut le faire avec les moyens du 6 heures, moi je dis, ça peut être cool. Donc, vraiment, gardez un œil là-dessus, venez participer, faites en sorte que ça marche, qu'il y ait du monde au rendez-vous, et ce sera vraiment cool. On va quand même partir sur cette course, hein, mine de rien, parce qu'on est là pour caster de la course, de la belle course. Vroom Du vroom vroom, bien sûr, on va vous remettre le son immédiatement de Tout à ces fait. magnifiques voitures. Donc ce soir, Indianapolis, on retourne à Indianapolis dans ce championnat SRC. On va vous remettre le calendrier. On est donc le dimanche 16 octobre, Indianapolis, manche 6 et 7. Pourquoi manche 6 et 7? Barbie vous l'a indiqué. Deux Oui, sprints de tout à 30 fait. minutes ce soir. Temps nuageux que l'on pourrait catégoriser. De plus vieux. De plus vieux, bien sûr. Alors, on va le refaire autrement. Alors, je pensais dire normand, mais on m'a repris Oula. Sur Discord hier, donc un temps breton. Voilà. Voilà, donc on va partir sur de la qualification qui va durer, si je ne m'abuse, 10-15 minutes de mémoire. 15 minutes, 15 minutes, 15 hein. minutes chaque qualification, tout 15 à fait. minutes chaque qualification qui vont commencer dans 2 petites minutes, c'est ça, hein, il me semble, Barbie? Absolument, 2 minutes et 36 Voilà, secondes. 2 minutes 36 secondes. Ce soir, donc, vous aurez deux courses sur ce circuit d'Indianapolis. Les pilotes qui font quelques essais libres pour le moment. Mon ami Barbie, combien de pilotes Oui. avons-nous pour le moment sur ces essais libres? Alors, pour l'instant, ils sont 37 et seulement 30 ont fait un temps. D'accord. Donc seulement. Enfin, non, pas seulement. Seulement 30 ont fait un temps sur les 37. Mais après, voilà, les 7 restent au sec. Voilà, la course Barbie, as-tu vu un peu quand est-ce qu'elle est. Enfin, la qualif est-elle le même jour que ces essais libres qui sont Alors, plus pas du vieux? tout. Les essais libres, là, actuellement, sont le week-end, sur le week-end, le vendredi. La course, la qualif 1 et la course 1 sont sur le samedi et qualif de course 2 sur le dimanche. Eh bien, on va pouvoir du coup observer rapidement pendant la petite minute qui nous reste avant le début de ce qualif. De toute manière, le temps que les gens fassent un petit tour de chauffe, on a le temps d'en parler. Le classement de ce championnat sur laquelle on est déjà 6 et 7e édition, pas édition, manche. Ça va très très vite. Bonne course, mon petit Raikou. On te fait des gros bisous. Installe-toi. On a vu que tu as fait un joli temps en essai tout à l'heure. D'ailleurs, tu as toujours le meilleur temps. Donc bonne course, ça annonce du bon. On va regarder justement ce classement général. Puisque ce championnat suivi par la Gazette, comme c'est écrit sur cette image, d'ailleurs Pat doit traîner dans le coin où il est peut-être en vacances. On le salue en tout cas s'il est dans le coin. On a donc un classement général, classement équipe et classement écurie, enfin plutôt constructeur, et un classement catégorie. Sur ce classement général, on retrouve Johan Morcan à la tête de ce championnat, suivi de très près par Thomas Barn. J'ai les bons, hein, je dis pas de bêtises, hein, Barbie. Tu Oui. confirmes?
Ouais, je suis à jour, hein, j'ai mis les bons. Suivi par Thomas Baranowski, Brice Monterremar qui le suit en troisième position, Arnaud Mander, qu'on parlait justement, en quatrième position, à un seul petit point d'arriver sur ce podium du classement général. Donc à suivre la Ferrari aux couleurs Dragon Ball Z qui est présente et qui a un joli podium au général à jouer. Ce sera un peu plus lisible sur le classement catégorie. Les pilotes qui sont répartis en catégories, on aura la catégorie pro qui sera comme le classement général, hein, bien sûr. Johan Morquant, Thomas Baranowski, Brice Monterremar, suivi de Arnaud Mander et Nicolas Jarry, qu'il ne faut pas non plus tuer trop rapidement, puisqu'il est à 169 points, tout comme David Nios qui a loupé une manche et qui est à 159, même une double manche, puisqu'il a loupé les doubles sprints. Sur ce GT America, donc ça a coûté cher au pilote qui a gagné les précédents championnats. On aura en semi-pro Quentin Dragon qui mène la danse devant Sam Fischer qui est à 144 points, suivi de très près par Bien Julien, et on aura Cartman qui essaiera de venir chercher la troisième position accompagné de Thiago Montigno qui est à 130 points. Donc un top 5 aussi pas mal disputé du côté semi-pro. Et du côté pilote AM, on retrouvera Rousquet en tête à deux petits points devant Loïc Tenitri. On aura également Yann Thirault qui lui a par contre une trentaine, 37 points d'écart avec Loïc Tenitri. Donc en soi ils ont pris un beau gap, Rousquet et Loïc Tenitri. À voir comment Yann Thirault pourrait sur peut-être une double sprint miraculeuse venir chercher de beaux points. Gérard Lambin qui suit de très près Yann Thirault avec 76 points pour espérer un podium, et Romain Faou et Franck Hartmann hein, qui ne sont pas à laisser de côté. On note aussi que Franck Hartmann avait pris 5 points de pénalité au classement pour un changement de véhicule. Donc imaginez s'il les aurait, il serait à 78 points, donc il serait techniquement à 2 points de Yann Thirault. Donc un pilote à ne pas non plus oublier pour ce top 3 AM. Et bien sûr, il y a tous les autres pilotes, vous inquiétez pas, on ne les oublie pas. Vous les avez à l'image, qui se battent également pour des places, hein, notamment les 7, 8 et 9 du classement semi-pro qui sont tous à 89, 86. Ça se joue très serré. Pareil pour les 9e et 10e positions des AM à 49 et 48 points. Oh, donc c'est plutôt serré cher un peu ami, partout. Et la qualif commence. La piste est en verte, oui, et il ne pleut pas. Verte. Il pleut pas. Même dans 30 minutes, il ne pleut pas. Ce qui est intéressant, piste verte. Donc il va falloir aller la gommer, cette piste. Qui va aller la gommer pour les autres? Qui va? Et on a Vincent Spice là, qui part, j'ai l'impression, en premier. Ouais, la McLaren de Vincent Spice qui sort des stands, suivi de... C'est une voiture d'Alec Diabolo, si je dis pas de bêtises. Ça me dit quelque chose, cette Ferrari, non? Non, c'est la Ferrari, c'est celle de Brock, je pense. Affirmatif, oui, la 85 de Brock, et on se garde sur le côté. Finalement, ce sera Brock qui va ouvrir le bal sur ce circuit d'Indianapolis qui est, mes amis, en piste verte. Il va y avoir des embouteillages, moi je peux vous le dire, parce que là, vu le flot de voitures qui est en train de sortir, ils sont à deux de front dans la pit lane. Tout va bien se passer. Mes amis, n'hésitez pas à nous dire hein, au niveau du son s'il y a un petit souci. Je reviens de vacances, donc vu que j'ai touché à 2-3 trucs sur Discord et compagnie, puisqu'on était en cast à distance la semaine dernière. Merci encore à toi, Barbie, d'avoir assuré le relais. Pas de problème. Et il me semble que les réglages de son sont propres au client qui est utilisé. Donc si c'était Discord sur un autre PC, j'ai dû retoucher à la sensibilité que j'avais bougé. Donc voilà. D'accord. Coucou, Amo, j'espère que tu vas bien. Bien, bonjour rien à dit, tous alors. Ceux qui nous rejoignent. Barbie est un peu fort par rapport à ta voix, mais Barbie gueule quoi aussi. Non, mais après non, je peux me taire aussi. Non, j'avais peut-être sûrement augmenté Barbie fut un temps, et il est arrivé le temps où je dois le diminuer. Super. Voilà, vous me direz si ça va mieux comme cela. Et donc Brock qui sera la première voiture à s'élancer. Beaucoup de voitures sont sorties, il n'en reste que aucune dans les stands. Il en reste une qui ne roule pas pour l'instant, deux qui ne roulent pas pour l'instant, et il y en a une qui vient de partir, la numéro 27. Il reste la 972 de Loïc Tenitri qui est encore immobile pour l'instant.
Allez, ce soir, il y a moult points à mettre, hein, puisque double session qui compte comme si chaque session était une grande session. On va dire, il n'y a pas de, c'est pas la soirée où les points sont coupés en deux avec les deux manches. Non, chaque manche vaut autant que les manches qui sont uniques sur les autres, autres manches, justement. Donc chaque course sprint va valoir autant de points qu'une manche simple. Donc des gros points à mettre, un rattrapage possible comme un dégringolage dans le classement est possible. C'est des soirées à double tranchant, je sais pas ce que t'en penses mon ami Barbie. C'est oui, double sprint, peut... c'est très intéressant. Bon, on l'a vu sur la manche de Watkins Glen quand il y avait deux courses dessus. Ça a été bénéfique pour certains sur une course, mais totalement... Totalement maléfique sur l'autre course, donc il faudra faire très attention à ça. Ouais, est-ce que Hobson ce soir, tiens, en parlant du patron qui organise ce championnat et qui nous fait l'immense honneur de nous faire confiance au niveau du casque, on le remercie encore une nouvelle fois. Gary Hobson qui nous avait fait un joli podium la semaine dernière et qui à qui Watkins Glen a souri. Est-ce que ce soir il nous referait le coup, tu penses, mon ami Barbie? Bah, il a intérêt de toute façon, sinon moi je ne casque plus. Écoutez, on rend le tablier si Gary Hobson ne fait pas un podium au qualif déjà. Voilà. C'est le cas. On arrête. Podium qualif, plus podium course, ou alors un podium mais en moyenne. C'est-à-dire que faut qu'il fasse premier et dernier, ça fait un. Non, ça fait pas un podium, mais s'il fait premier et quatrième, ça fait un podium. Tu vois ? S'il fait quatrième et troisième, ça fait pas un podium, ça fait que troisième et demi. Alors, et bah voilà, et demi, voilà. Ah, donc Barbie, le patron que vous voyez à l'image, a beaucoup à faire. Oui, et on sait qu'il nous entend, donc on lui met pas du tout la pression. Non, c'est notre petit plaisir. Brock qui avait fait un 1.39 pour faire les premiers tours, et Gary Hobson qui récupère ensuite un 1.37.9 et ça va dégringoler. Voilà, Rayeko, Arnaud Mander prend la pole provisoire pour le moment en 1.37.2. Nespoulos lui a fait un 1.37.7. Les bons tours vont s'enchaîner, à voir qui peut détrôner Arnaud Mander. On va vous expliquer voilà l'interface que l'on utilise. Vous avez donc le meilleur chrono qui est ciblé par un chronomètre blanc dans un cadre rose à côté de la position du pilote, donc là juste à côté de Arnaud Mander. Et vous voyez le cadre où il y a écrit Arnaud Mander des fois clignoté en violet, c'est qu'il est en train d'améliorer par rapport au best lap. Donc si c'est un autre pilote qui clignote en violet, c'est qu'il est en train d'améliorer et qu'il va récupérer le meilleur tour s'il continue dans cette voie-là. Bon, il va falloir attendre que tout le monde fasse un petit chrono, et c'est ce qui est en train d'être fait au fur et à mesure. Quentin Dragon, hein, qui avait subtilisé, il a été allé chercher à cœur vaillant, à coup de stratégie. Tout le monde avait tenté un peu tout sur Watkins Glen, c'était très intéressant. Quentin Dragon avait été vainqueur la semaine dernière, ce qui lui a permis de récupérer de précieux points pour sa catégorie. Et pour le moment, il nous fait une belle troisième position sur son premier tour lancé des qualifs. Là, il y a une bataille féroce entre Arnaud Mander et Fabien Nespoulos juste derrière lui. J'ai vu Arnaud Mander qui clignote en violet depuis tout à l'heure, ça s'en va et ça revient, comme dirait la chanson. Et là, ça va être une petite amélioration de 4 millièmes pour Arnaud Mander. Ça, normalement, oui, c'est ça. 770. Ça passe pour le pilote de la Ferrari. Notre amélioration derrière qui arrive, c'est celle de Franck Nada qui vient juste chercher la deuxième position, mais tout de même en retard de 6 dixièmes hein, sur Arnaud Mander. David Neyoz et sa BMM6 qui viennent à 3 dixièmes d'Arnaud Mander. David Neyoz semble vouloir dire qu'il est au rendez-vous ce soir tout de même. Oui, mais il était absent la semaine dernière, donc c'est ça, hein, il me semble qu'il était absent la semaine dernière. Ils étaient là la semaine dernière, c'est juste qu'ils n'ont pas été en grande forme sur ce circuit de Watkins. C'était à Watkins où ils étaient absents. Et c'était à Kota où ils étaient un petit peu effectivement en deçà. Et donc Antoine Drez également qui est venu chercher. Ouh, il est pas loin Antoine Drez. Qui est en train encore d'améliorer de 1 dixième. On a Brice Monterremar là à la 6ème position qui améliore de 5 dixièmes. Pas suffisant pour aller chercher la P1, mais suffisant pour aller chercher une petite P3 provisoire. J'ai vu tout à l'heure, je ne sais plus qui améliorait du 8 dixièmes. Yohann Morcan. Je pense que Yohann Morcan, d'accord. C'est Yohann Morcan qui est venu chercher la P3 ici dans sa Porsche du Team VDK.
Comment avez-vous pu oublier une Porsche, mon ami Barbie? Vous avez parce que, changé. Parce qu'il a changé de ligne. J'ai eu la ligne qui était dans le 10-15 et elle a disparu. Voilà trop rapide pour vous, mon ami Barbie. Trop rapide. C'est l'avantage des Porsche, c'est qu'elles sont beaucoup trop rapides, malgré leur VMAX de merde. Bien évidemment, dans le jeu, je le rappelle, puisque si la BOP était correcte, les Porsche seraient largement devant. Et un Homander qui enfonce un peu plus le clou avec un 1.36-437 qui le met à l'abri de 4 dixièmes par rapport à Antoine Drez. Le pilote Ferrari a l'air en forme ce soir, mon ami Barbie. Absolument, on voit qu'il a l'air à l'aise. Je sais qu'ils se sont beaucoup entraînés, lui et quelques autres comparses, sur ce circuit d'Indianapolis. Et je pense que on en voit les bénéfices. Là, c'est dommage, là, la petite sortie d'Arnaud Mander qui lui fait perdre du temps. Il avait 4 dixièmes d'avance, il en a plus que 2 pour l'instant. Et ça reste 2 dixièmes d'avance, 3 dans ce long virage gauche. On va voir ce que ça donne pour les prochains secteurs. Derrière, on a Johan Morcan aussi qui améliore de 6 dixièmes, qui peut peut-être aller chercher le temps d'Arnaud Mander s'il améliore un peu plus. Pour l'instant, ça se bataille entre les deux sur le delta du meilleur tour. À voir bien évidemment le chrono qui sera validé à la fin de sur la ligne d'arrivée. Ouais, là on est embarqué sur le poleman provisoire à 6 minutes 30 de la fin. Ça échange le violet là entre Johan Morcan et Arnaud Mander. Johan Morcan qui récupère. Il récupère effectivement. Mais Arnaud Mander qui est toujours en violet pour l'instant, 2 dixièmes d'avance. Il y a possibilité d'aller chercher encore un petit peu. Ouais, on va voir ce que ça donne dans les derniers virages. Alors, Johan Morcan continue clignotant en violet. C'est parce qu'il est encore sur un tour rapide et qu'il l'améliore par rapport à son tour de tout à l'heure. Mais là, Arnaud Mander reprend ce petit clignotage. Est-ce que ça devrait tenir, hein, je pense, là? Parce que oui, le plus dur est fait. Faire. Tout à fait, ça devrait le faire. Après, il a encore 2 dixièmes à aller chercher, Arnaud Mander. Et on reprend la pole du côté d'Arnaud Mander. Ce fut bref pour le moment du côté de Johan Morcan. Mais on sait que Johan Morcan peut être un solide candidat. Et on rentre au stand pour Arnaud Mander ainsi que Johan Morcan en même temps. Oui, les deux pilotes séparés d'un dixième. À saluer la performance, rien à voir, hein, mais la performance des Iron Dame aujourd'hui, qui ont remporté la course des 4 heures de Portimao en Européen de Le Mans Série. Et une très très belle performance. Voilà, ce sera la seule Ferrari que vous m'entendrez supporter. Ouais, et de ce que j'ai compris, l'année prochaine, ils ne seront plus en Ferrari. Voilà. Non, il y a des histoires de proto et compagnie qui courent. Il y a pas mal de tests qui sont en cours avec différents pilotes, notamment la française Dorian Pain, qui est une, on l'appelle la Pocket Rocket, pas pour rien, parce qu'elle envoie toujours cette jeune de 18 ans. Hein, j'en parlais avec Hubble aujourd'hui, puisqu'on a regardé également la course, hein, bien sûr. Quelle course, encore une nouvelle fois, de cet équipage 100% féminin qui fait plaisir à voir et qui rabat le caquet des gens qui sont restés dans un ancien temps et qui ne veulent pas admettre que voilà, tout le monde est capable de tout. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Ah oui, mais moi je suis 100% content que ça se passe comme ça. Pour le moment, on est au stand, on sort des stands pour Arnaud Mander. Antoine Drez est en légère amélioration, il aimerait bien peut-être remonter devant David Neyoz. On a un seul petit dixième de retard par rapport... j'ai un truc bizarre. Ah, attendez, bougez pas. Je vous fais de la merde depuis tout à l'heure. Voilà, bravo. C'est mieux. Et mieux. Tout va bien, on va pouvoir cast dans de bonnes conditions. Donc l'écart entre Antoine Drez et David Neyoz, c'est 65 millièmes, tout simplement. J'ai l'impression par contre qu'on a beaucoup coupé là du côté d'Antoine Drez. Mais ça a l'air d'être toujours valide. Mais ça a l'air d'être toujours valide d'après d'après l'interface. Mais regardez donc, Barbie, je pense que vous avez la même chose que moi. Pardon. Mais oui, voilà, pardon. Qu'est-ce que ce vibreur totalement mangé? Bonsoir Bistou, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que ce vibreur totalement mangé par la BMW et puis il est en train de prendre le meilleur tour pour le moment avec ce tour où on l'a vu manger littéralement un vibreur entier et un virage entier. On prend l'aspiration de la BMW devant et on vient chercher la pole pour Antoine Drez. 50 millièmes sur Arnaud Mander, très très beau temps de la part d'Antoine Drez. Et moi qui parlais d'aller voir juste embêter son ami David Neyoz, eh bien non, il est en train de réaliser la pole là sur ce tour à 3 minutes 16 de la fin de cette session de qualification pour la première course. Il y aura de nouveau des qualifications à l'issue de cette première course pour déterminer la grille de la deuxième. Se relance pour un tour lancé. Oui, on va pouvoir faire encore 2 tours, je pense, du côté du pilote si on ne se loupe pas trop. Attention à la Audi du team VDK devant, on a l'air d'être quand même. Ça doit être Johan Morcan, il me semble. Donc c'est un bon rythme, on ne devrait pas être. S'il vous plaît, monsieur Johan Morcan est en Porsche. Oh, pardon, excusez-moi.
Excuse-moi, ça doit être Tomáš Barnsky ou Fabián Espolós. Fabián Espolós est en Porsche aussi, s'il vous plaît. Écoutez, vous m'emmerdez avec vos Porsche. Vous m'emmerdez. Cordialement. Voilà, ah, la direction, cordialement, salut. Bon, on a Antoine Dresse du coup qui est au stand, je ne pense pas qu'on ressortira, je pense qu'on a été chercher le meilleur de cette M6, faut le rappeler, hein, c'est une M6 dans les mains du pilote Antoine Dresse. Tout à fait. Et du côté de Arnaud Manders, ce ne sera pas sur ce tour-là, hein, il est invalide ce tour. Du côté de Brice Montermat, on va se lancer dans un nouveau tour qui... où on devra avoir le temps de relancer, hein. Donc il va falloir bien gérer. Derrière lui, on a Thiago Montinho, hein, qui est sur une belle P11 pour le moment, avec une petite amélioration qui lui permettrait d'aller peut-être chercher le top 10 devant Franck Nada. Brice Montéremar, hein, qui maintenant on le dit bien, Montéremar et pas Montermar. j'ai pas fait gaffe, effectivement, comme le dit Unit, les trois premiers amateurs en 17, 18, 19 sont à moins de 1 dixième chacun. Ouais, on a Mathieu Clouet, Romain Faou et Franck Hartmann qui se bagarrent, hein, pour le championnat, et qui nous font une belle qualification ici à 3. Et j'ai pas l'impression, si Antoine Dresse est ressorti, il aura peut-être le temps d'en relancer un ultime, on sort peut-être pour couvrir une potentielle amélioration de Arnaud Mander ou Tomáš Baranowski. Et au moment où je parle de Thomas, oh non, dommage, Tomáš Baranowski là qui se loupe et qui va rentrer au stand, sera terminé pour lui. Ce sera terminé pour Tomáš Baranowski. On restera à cette P3. Et regardez qui clignote en violet, mon ami Barbie. Oui, absolument. Et Antoine Dresse qui est signalé en drapeau jaune, malheureusement, pour lui. Ça va être compliqué, je pense. On va pouvoir relancer un tour. Non, il est à la fin du tour. Voilà. C'est okay. Je pense qu'on a ralenti exprès pour se lâcher du lest, de la distance. On va rester dans l'interface d'Arnaud Mander. Voir s'il est capable d'aller rechercher ce qui lui manque, c'est-à-dire rien, hein, 50 millième. Absolument. Sur la voiture d'Antoine Dresse pour la pole. Il clignote en violet, mais c'est encore difficile à aller chercher les 2 dixièmes qui lui manquent. Parce que si on regarde sur le leaderboard, Arnaud Mander, non, il n'a aucun secteur, autant pour moi. Mais il a un potentiel en 36-160, ce qui ne serait pas normal. Donc, le peu qui lui manque. Il lui manque vraiment pas grand chose. Ouais. On va voir parce que ça va jouer à pas grand chose, je pense. On arrive dans le dernier virage, on va être vite fixé, enfin dans les derniers virages, pardon. Alors même si Antoine Dresse clignote en violet, ce qui empêche Arnaud Mander de clignoter, même s'il était en train d'améliorer. Ouais, il a un dixième de retard là, malheureusement. À moins qu'on fasse un magnifique dernier virage, on ne sait jamais, sur une belle accélération, sur un malentendu. Non, on accumule 2 dixièmes dans le virage. Je pense qu'on restera sur cette belle P2 qui s'est jouée à pas grand chose. Et ouais, ce sera terminé pour Arnaud Mander avec une très jolie P2 tout de même. La P1 sera dans les mains d'Antoine Dresse de la 997, à moins que derrière Johan Morkanen restera également à la P4, la P5 dans les mains de Brice Montéremar, à moins qu'on aille chercher dans les derniers instants la position de Johan Morkanen. On était en amélioration d'un dixième, mais on vient de perdre ce petit dixième. On va voir ce que ça donne au niveau du freinage. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre? Oui, on reprend un peu de temps. Ouh, on va chercher l'herbe et non, ça va être, je pense, fini. Nada qui améliore de 3 dixièmes et Thiago Montinho également. Ouais, ça restera 6 dixièmes pour Franck Nada là, très bel enchaînement. La voiture de Brice Montéamar qui est partie to the wall. Non, malheureusement, Franck Nada qui perd du temps sur le dernier virage, ce sera que 2 dixièmes. Et Thiago Antonou qui récupère la 9ème place provisoire. Franck Nada, 2 dixièmes, ça lui donnerait la 8ème place. Ouais, Quentin Dragon qui, de nouveau, P1 des semi-pro. La P2, c'est sur Sam Fischer en 9ème position. Et Thiago Montinho, la P3, hein, pour les semi-pro. Du côté des AM, ce sera Romain Faou qui aura la pole côté AM en P15 général. Et Damien Descanter, la carrière de 4 dixièmes sur le dernier virage pour clôturer cette première séance de qualification. Et Damien Descanter qui récupère la 13ème place. Il y a eu un ping extrêmement haut signalé sur une des voitures en attendant. Donc on disait Romain Faou pour la P1 AM à la 16ème position du général. Franck Hartmann qui a été chercher une belle P2 hein, du côté AM pour la 17ème position au général. On part 17ème hein, pour ce pilote AM. Petite info météorologique rapidement, cher ami. Pas de pluie prévue sur les 30 prochaines minutes. Piste en rapide.
piste rapide pour les pilotes. Donc on n'est pas sur une piste, attention aux grippes, attention à pas se faire avoir ici sur ce circuit d'Indianapolis. C'est une course de 30 minutes. Attention, on a déjà vécu pas mal de drames sur les doubles sprints la dernière fois sur Watkins Glen. Donc attention à ça, amis pilotes. J'espère que, je pense que vous avez appris de vos erreurs chacun. Et qu'on aura une course sans trop de difficultés ce soir. Et donc on va reprendre. Donc on reprend sur Antoine Dres qui partira en pole dans sa BMM 6 suivi de très près par Arnaud Mander. Les qualifs sont les qualifs, à voir ce que donne le rythme de course. Une belle deuxième ligne full Team VDK pour Thomas Baranowski et Johan Morcan qui viennent hisser leur Audi et Porsche sur cette deuxième ligne. On a ensuite Brice Monterémar dans la 220 à la BMM 4, suivi de la BMM 6 de David Neyoz. Quentin Dragon et Franck Nada prennent la quatrième ligne. La cinquième ligne, elle est dans les mains de Sam Fischer accompagné de Thiago Montigno sur la P10. Fabien Espoulos et Nicolas Jarry sur la sixième ligne. On aura ensuite notre ami Damien Descanter et Julien Bien sur la septième ligne. La huitième ligne est composée de Vincent Spice et Romain Faou. On aura ensuite la huitième ligne, si je dis pas de bêtises, qui est dans les mains de Franck Hartmann et Benoît Clerc. Dixième ligne, neuvième ligne. Oui, je m'embrouille ou pas là? Je sais plus. Oh, je ne sais plus. Bon, bref, 19-20. Sébastien Gatt. Et on aura ensuite Gary Hobson. Mathieu Clouet et Kizitem prennent la 21-22, 23-24 pour Anthony Kostinger et Gohan. William Gozan s'en sort avec la 21e position suivi de Mario. Guillaume Lucas en P27 suivi décidément comme son numéro de voiture. 27-27, c'est parfait pour Guillaume Lucas. Eric Diabloum prend la 28e position. Brock et Cédric Rousseau prennent la 29e et 30e position. Rousquet, Loïc Tenitri en 31-32, Gérard Lambin, Lux Skyplayer en 33-34, 35-36 pour Chris Despierre et Hervé Boutin, et Thomas Chagnoux vient clôturer. Oh, les moteurs démarrent, cher ami. Et les moteurs démarrent pile poil à temps, dis donc, ce serait pas scripté tout ça? Ouais. On peut crier au script, et coucou Loupi, j'espère que tu vas bien. Et du coup, les amis, on va avoir... Soon, je prendrai... Mais on attend que ça, Loupi, on attend que ça. Vous allez avoir la... je lui ai encore dit ce matin. Le tour de mise en grille. Et on a l'impression que oui, ça avait du mal à démarrer pour la M4, la M6 de Antoine Dres. Un problème de... Ah, mais je sais pourquoi il a du mal à démarrer. Vous savez, avec la pénurie d'essence, je pense qu'il essaye de limiter au plus possible sa consommation. Oui, oui, bien sûr. Et voilà. Donc, les pilotes pénurie, qui vont se mettre. Vous voyez mes guillemets. Oui, oui, bien sûr. Les pilotes qui vont se mettre en simple ligne pour ce tour de formation et ensuite se regrouper sur le dernier secteur. Oh, on a une voiture qui est à l'arrêt, qui est partie. Ah. J'ai pas eu le temps de voir qui c'était. Qui donc? Ça peut-être la voiture qui avait été annoncée difficile au niveau du ping. On avait une voiture annoncée compliquée. Ouais. Ça ressemblait à une Ferrari, après j'ai pas eu le temps de voir correctement. Mais Loupi, je suis derrière et je vous tiens au courant, cher ami, de ce qui se passe. Loupi, le 12 novembre, c'est l'occasion. Hein. Moi, je dis oui, ça, je dis rien. Mais justement, j'ai hésité à lui envoyer un message en mode « Viens vite, c'est Ostinilius !» Le 12 novembre, ce sera l'occasion, puisqu'il y aura Sakam premier Xerac sur la piste. Et salut Yotox. Ça fait. Salut Quentin. Allez, peut-être les pilotes une Porsche vont... également, qui sait. Oh non. Allez. Non. Allez, ce tour de formation avec cette BMW 6 hein, qui vient montrer qui est le patron ce soir sur les qualifications. Il va falloir tenir de gros clients derrière et Arnaud Mander qui avait l'air d'avoir faim sur ce circuit. Il va falloir garder un œil. Il l'a bien montré hein, pendant les essais libres et pendant les qualifications. Jusqu'au dernier moment. 50 millièmes entre les deux pilotes, c'est sûr que on va difficilement faire mieux. Et attention, on arrive sur les derniers virages du côté des pilotes pour nous offrir ce départ pour 30 minutes, on le rappelle. Première course de la soirée, il y en aura deux. Deux sprints à Indianapolis avec un temps nuageux. La pluie ne risque pas d'être là pour la première course d'après les indications météo, c'est ça Barbie? Tout à fait, pas de pluie prévue dans les 30 prochaines minutes. Ça tombe bien, me direz-vous. La c'est course une course dure de 30 minutes. 30 minutes. Parfait.
Allez, les pilotes qui doivent se remettre en double file. Attention aux petits coups de freinage, aux petites erreurs. Il y a une interface à suivre, etc. Une limitation à 70 à respecter avant le passage au green. Attention aux retardataires au fond, ne pas être tenté de vouloir mettre une belle vitesse pour reprendre le peloton. Puis au moment du green, on n'est pas à 70 et on se fait taper sur les doigts. Mesdames et messieurs, green light est donné pour la première course de cette soirée. Double sprint, direction Indianapolis. Et bon départ d'Antoine Drez dans sa M6. Et attention à la voiture de Thomas Baranowski qui va prendre l'intérieur sur Arnaud Mander. Et Arnaud Mander qui ne va pas forcer, on va même prendre large. Et ça va tenir tout de même pour Arnaud Mander. Oh, derrière, j'ai l'impression qu'avec Quentin Dragon, Nicolas Jarry, il y a eu des petits soucis. Pour l'instant, RS, il y a quelques voitures dans l'herbe, effectivement, mais ça rejoint. Attention, alors, deux voitures arrêtées là au milieu de la piste, malheureusement. Et il y a eu quelques petits contacts sur le premier virage. Ouais, on a eu quelques contacts, notamment j'ai cru voir Quentin Dragon être de côté. Si je dis pas de bêtises, on fait des spins du côté d'Anthony Kostinger, Thomas Chagnoux. J'ai cru voir aussi une McLaren. On a eu quelques contacts derrière. Entre plusieurs voitures. Quelques contacts, mais on a connu pire, dirons-nous. Et en tout cas, le top 6 qui est en train de. Top 5 même, qui est en train de s'éloigner justement de la P6. On a des petits groupes qui commencent à se créer. On a déjà 3 secondes d'avance là sur le groupe du top 5 par rapport à la P6. Ouais, on a Brice Montermar qui est remonté sur Thomas Baranowski, Antoine Dresse pour le moment qui tient bien Arnaud Mander, 5 dixièmes d'écart, et on a Johan Morcan qui suit à une petite seconde. Les gens se suivent un peu en mode train-train, pas d'attaque particulière, plus des erreurs, des sorties. Vincent Spice qui tente quelque chose sur Franck Nada, sur les derniers virages, ça n'est pas passé, mais on va avoir la grande ligne droite, et on sait que la Porsche va être sur 8ème position, cher ami. Je l'ai vu, j'étais sur une autre vue, mais c'est dans la caméra derrière, j'ai reconnu les voitures et j'ai galéré à chercher. Donc on a Franck Nada et Vincent Spice là qui se sont un petit peu bataillés. On va voir sur la ligne droite qui est assez grande. On sait que les Porsche sont un petit peu en difficulté en termes de vitesse. Est-ce que le freinage va être à l'avantage de Vincent Spice qui se décale sur l'intérieur, sur Franck Nada, qui freine relativement tard, qui reste à l'intérieur, le contact entre les deux voitures malheureusement. Après celui-ci, je pense qu'il doit être pour Vincent Spice. Parce que Franck est pour le coup sur l'extérieur. Tout à fait. Et derrière, on va reprendre la piste. Je demande un petit peloton pour Vincent Spice. Peloton composé de Frank Hartmann, Gary Hobson, Sam Fischer et Nicolas Jarry. Et puis en plus, vu que c'est les premiers tours, on perd énormément de positions. Il va falloir cravacher pour Vincent Spice afin de récupérer les positions perdues. Oui, et du coup, Vincent Spice derrière, il a un joli groupe. J'étais sur la vaillante de Sam Fischer qui a failli se faire faire un bisou par Nicolas Jarry qui a l'air incisif dans ses premiers combats. Et devant c'est plutôt calme, ne vous inquiétez pas sinon on y serait déjà. David Neyoz à la P10 aussi qui est dans le pare-choc arrière de Benoît Clerc. Non, il s'est un petit peu éloigné. Le Barbicole est arrivé. Le Barbicole est de retour mes amis. Oh, position échangée là entre Mario et Julien Bien. Oui, au niveau de l'enchaînement, je pense qu'on s'est peut-être un peu foiré, ça s'est fait très très vite, sans trop de difficultés. David Neyoz toujours hein, sur le pare-choc de Benoît Clerc, je vous tiens au courant cher ami. Entendu, on rentrera très rapidement dessus. Derrière c'est Frank Hartmann qui poursuit. On a un beau groupe là de la P18 jusqu'à la P24 qui est en train de se suivre tout simplement. On a également derrière Mathieu Clouet à la P31 qui plonge sur Hervé Boutin. Hervé Boutin qui aurait voulu décroiser et on a eu peur de faire mal. Et du coup, on a restitué la position du côté de Mathieu Clouet, plutôt fair play. Le pilote de la McLaren qui est déjà pas mal abîmé. On a déjà un retardataire, Damien Décanter là qui vient de sortir des stands. C'est la voiture de Vincent Spice qui déboîte premier virage encore une nouvelle fois. Ce coup-ci c'est sûr, Loïc Tenitri ça ne passera pas. Et derrière c'est Gary Hobson qui essaye d'en profiter sur l'extérieur. On va voir si ça peut tenir pour le pilote Porsche, mais le pilote McLaren va pas se laisser faire. On va réclamer un peu d'espace. La McLaren a l'avantage avec les virages à l'intérieur. Exactement, ça tient bon pour le moment. Et David Neyoz qui vient de passer Benoît Clerc. Ouais, j'étais passé sur la bataille P18, bravo, merci. Gary Hobson qui est en train de se faire attaquer et par l'occasion. Quentin Dragon également à la P7, P6 en bataille, Thiago Ventino et Quentin Dragon. Pour l'instant, les deux premiers semi-pro qui sont relativement hauts au classement et qui sont en train de se livrer une belle bataille. Ça a mordu pour Quentin Dragon, attention aux avertissements.
J'étais un peu plus derrière, il y avait deux doubles lignes, on va remonter sur Quentin Dragon du coup, mais il y avait deux doubles lignes de bataille, ça a failli mal finir pour l'une d'entre elles. Et on sent qu'on a faim du côté de la RST sur Thiago Montinho. Absolument, et derrière on a David Neyoz aussi qui vient de rattraper Franck Nada, donc il va falloir surveiller ça. Et une best lap pour Yod Morcan de la team VDK, 1.36.0.32. J'ai 35.900 pour Baranowski. Oui, j'ai 35.925. Est-il été validé? Oui. Oui, ah, il est en violet et il est apparu sur le. David Neyoz sur Franck Nada assez facilement au freinage. Ouais, et Romain Favre à la 16ème place là qui est dans l'échappement de la Ferrari de Kezitem. Il s'est fait un petit peu relâcher sur le premier virage. Derrière, on a Nicolas Jarry qui vient de récupérer la 22ème position sur Franck Hartmann. Grosse bataille là entre le 20ème et le 25ème. 5 voitures qui sont toutes collées les unes aux autres. Ouais, bah c'est le petit groupe que je vous parlais. Oh, Gary qui a failli se faire peur. Qui s'est fait peur et du coup qui perd une position, qui perd deux positions. On s'est fait peur du côté de Gary, clairement sur le freinage. Valait mieux ça que de rentrer dans la voiture qui était devant lui. C'était celle de Sam Fisher, il me semble, la vaillante, qui maintenant est sous les assauts de Nicolas Jarry. Oh, Nicolas Jarry qui glisse et qui va perdre beaucoup de vitesse ici, là où il ne le faut pas. Franck Hartmann qui en profite pour venir se positionner à sa hauteur et qui va même prendre l'avantage avec un freinage tardif du côté de la RST qui est trop revenu, j'ai l'impression, sur la voiture de Franck Hartmann. Fallait pas l'oublier, elle était là, cette Ferrari. C'était tendu, on verra ce que la commission parle, mais du coup, grosse perte de position, on perd 4-5 positions pour Franck Hartmann dans l'histoire. On a une petite bataille aussi qui s'annonce toujours Kezitem là, qui essaye de défendre sur Romain Faou dans les derniers virages. La Ferrari qui a du mal à se détacher de la. Reviens en arrière. Aïe. On a vu là l'erreur de freinage de. L'erreur de freinage de Franck Hartmann qui a poussé clairement la voiture de Gérard Lambin. Non, c'est pas Franck Hartmann. Hein. Ah si, c'était Franck Hartmann, monsieur. Franck Hartmann pousse la première voiture et l'envoie. J'ai vu une voiture noire et une autre voiture. Oui, c'est ces deux-là, mais la première voiture qui part pour aller chercher la deuxième, c'est à cause de Franck Hartmann. Petite poussette au freinage, un peu surpris, je pense. Et du coup, ça a envoyé. Et Sébastien Gatti qui a la 23ème position sur Cédric Rousseau. Kezitem qui est remonté légèrement sur William Gozan. Pour la P15, mais ça ne suffit pas encore. Julien Bien dans l'échappement de Mario Rio. Luke Skyplayer pour l'instant, la P32. Duel de Honda, ici sur cette P32. Honda que j'apprécie avec ce skin Woody Woodpecker. C'est rigolo, c'est qu'ils ont fait des skins plus ou moins similaires, alors qu'ils ne sont pas du tout en équipe. Et je trouve très rigolo. Mais elle est très belle, cette Woody Woodpecker. Kostinger, là, qui est en bataille avec Chris Despierres pour la 27ème position. Stop and go de 30 secondes pour Brock également. Et Kostinger qui passe au freinage sur Chris Despierres. Le stop and go doit être surtout un problème au niveau des stands, je pense, parce qu'on n'est pas de commission direct. Je pense, puisqu'il y a eu un arrêt au stand, effectivement, pour Je te pour propose Brock. De revenir sur la P2, mon ami Barbie, puisqu'on a Yon Morcan qui est revenu dans les échappements d'Arnaud Mander. Et qui va plonger premier virage. On est de retour, on va pouvoir reprendre cette course là où elle en était, avec quelques, j'imagine, bien sûr, différences. Alors bougez pas tout, vous êtes en train de revenir. Ça. En termes de système de broadcasting et compagnie, d'affichage, ça va bientôt se remettre. On est pour le moment dans la voiture de Gary Hobson, justement. Vous pouvez en attendant apprécier le pilotage de Gary Hobson. Allez, on est en train de récupérer tout notre attirail et on va pouvoir reprendre le cast de cette course. Je m'excuse encore une nouvelle fois. Vraiment, ce n'était pas courant comme problème. Et donc, on va refaire un petit point. Antoine Dresse toujours en première position. Avec 3 secondes d'avance sur Johan Morcan, suivi de Arnaud Mander et Thomas Baranowski. Et ensuite, nous avons Brice Monterema à 4 secondes derrière pour la P5. Thiago Montino à 5 secondes de la P5 et ainsi de suite, David Neyoz, Quentin Dragon, Franck Nada, Fabien Espoulos pour le top 10.
Eh bien, c'est parfait, mon ami Barbie. Je te laisse commenter un peu qu'est-ce qu'on a. Bah, Fabien Nespolos au niveau de la position. Eh bien, Fabien Nespolos, tout à fait, qui est en train de remonter sur Franck Nadal depuis quelques tours. Et pour l'instant, ça a l'air de payer. Donc, à voir ce que ça va donner sur ces derniers virages. Alors que j'ai reperdu Ilus. Non, je suis là. Je te laissais communiquer avec nos chers viewers. Je voyais l'écran de stream qui était figé. Tout va bien, rassure-moi. Oui, c'est bon, les gars. Bon, ça n'a pas l'air d'aller. Si. Oui. Le PC est en train de se calmer. Vous avez peut-être quelques pertes, non? Ça a l'air oui, quelques pertes, ouais. Devrait, c'est censé se calmer, bien sûr. Donc, on en était où? Je ne sais plus. On va reprendre, ne vous inquiétez pas. On a la P27 Crise des Pierres qui est à l'attaque sur Cédric Rousseau. Pour l'instant, c'est la seule grosse bataille qu'on va avoir. Allez, du coup, on va pouvoir reprendre un peu ce qui se passe et Gary Hobson, notamment sur la ligne droite sur Nicolas Jarry au niveau de la P19. Frank Hoffman, ouais, et Frank Hoffman aussi derrière la P25, qui est en train de dépasser tout doucement Loïc Tenitri, et ça va se jouer au freinage du virage 1. Et pour l'instant, pour l'instant, ça va se jouer, ça se respecte pour l'instant. Oh, ça a bien refermé la porte là, pour Frank Hoffman qui dépasse Loïc Tenitri pour récupérer la P24. Ouais, ça a l'air de bien tenir. Un beau dépassement pour Franca Hartmann qui récupère cette P24. Je trouve. Possible, mais je ne sais pas pourquoi. Oh, une voiture qui est partie dans le bac à gravier. Qui était-ce? C'est Brock, la numéro 85. Une bataille. David Neyoz avec Thiago Montino là pour la P7, pour la P6 pardon. Sur la ligne droite de fin ou de début selon le point de vue. Oui. Et David Neyoz qui a une très très bonne vitesse là, qui va réussir peut-être à s'insérer avec le freinage. Bien réussi de la part de David Neyoz, ça ne se pas trop, ça ne pouvait pas trop défendre pour Thiago Montino. Et là, David Neyoz qui est déjà en train de creuser un tout petit peu l'écart. Oui, on est passé. Peut-être qu'on n'a pas voulu forcer sur. Enfin, du côté de Thiago Montino, on a peut-être pas trop voulu forcer la défense. Effectivement. Et t'as Thomas Chagnoux également qui revient sur la P32 d'Hervé Boutin. C'est ce que j'étais en train de voir. Bon, ça a l'air de s'être calmé, mes amis. Sébastien Gatta à la P22, Gary Hobson à la P20, deux batailles là, 19-20 et 21-22, qui sont Lux Calpeyer qui prend la position numéro 30 sur Rousquet. Et là, on a Gary Hobson dans l'échappement hein, de Nicolas Jarry. Est-ce que ça va suffire au bout de cette ligne droite de freinage bien orchestrée de la part de Gary Hobson qui se repositionne? Qui est bien. Ouais, c'est dommage là sur cet enchaînement droite-gauche qui va perdre un peu l'avantage qu'il avait. Mais Gary Hobson là qui se montre relativement menaçant sur cet Audi. Oh, derrière la Vaillante qui a eu un peu de mal. Sam Fischer qui a pris un peu large. Il a dû se faire surprendre, je pense. Oh, Baranowski avec Arnaud Mander, ça vient de s'échanger la P3 pendant qu'on discute un peu plus bas. Baranowski qui vient de perdre la P3 en faveur d'Arnaud Mander. Et on est déjà dans les 11 dernières minutes de cette course.
Désolé d'en avoir perdu un petit moment. On en a raté 20, voilà, il faut le dire. On en a raté 20, on a passé 20 minutes à régler le problème. Non. Je sais qu'il y a encore des petits légers problèmes potentiellement, mais c'est en train de revenir à la normale. Et j'y suis totalement... pour changer quelque chose, il faudrait que je recoupe le live. On va finir d'abord cette première course. Et William Gauzan à la P14 là sur Julien Bien, ils sont côte à côte. Juste derrière, on a également Kezitem avec sa Ferrari. Il a trois voitures pour essayer d'aller récupérer cette P13. Pour l'instant, dans les mains de Julien Bien. Ça a l'air de tenir pour le pilote Porsche. C'est bien. Je suis content. Pour votre plus grand plaisir, mon ami Barbie. Tout à fait, c'est un petit peu mordu là pour sur ce gauche. Et derrière, la Bentley 124 qui est dans la position du chasseur, mais chassé également hein, par la Ferrari. Et juste oui, derrière. Position très compliquée là, position du jambon, comme on pourrait le dire. Hein. La position du jambon. Entre pendant les deux tranches de pain. Un échange de position entre Gérard Lambin et Luke Skyplayer. Oh là, on a Gary Hobson qui dégringole dans les classements. Oh, et on vient mettre un petit taquet à l'Audi de Sébastien Gatt. Et du coup, c'est la Vaillante et Nicolas Jarry qui se retrouvent à batailler pour la P19, mon ami Barbie. Absolument. Et je suis toujours sur la bataille là pour la P13, P14. Ouh, Gazitev qui s'est fait une petite frayeur sur le freinage du virage 1. Il était un petit peu derrière William Gauzan là qui s'était fait un petit peu distancer, mais du coup, il est... ça va lui jouer des tours. Derrière, on a Sam Fischer également à la P20 qui est toujours à la bataille avec Nicolas Jarry. Je surveille, on a la P26, Cédric Rousseau également, qui est dans l'échappement de Loïc Pénitry, et Hervé Boutin qui s'est fait doubler par Thomas Chagnou mais qui reste dans son sillage pour l'instant dans les 10 dernières minutes. Bon, on a un peu glissé pour Hervé Boutin, malheureusement ça va perdre pas mal de terrain. On peut remonter sur Gérard Lambin qui arrive sur le Skyplayer. Cédric Rousseau aussi avec Loïc Pénitry pour la P26 qui sont relativement proches. Gérard Lambin là qui... oui c'est ça. Parce que je voyais j'ai confondu les voitures. Non, on était Cédric Rousseau, donc P26. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bataille pour l'instant? C'est à peu près tout. Et en tout cas, Gérard Lambin qui va vouloir aller chercher Cédric Rousseau, pardon, qui va vouloir aller chercher Loïc Tenitri sur cette P25 et qui met la pression à cette BMW. Ne le lâche pas, il va même s'écarter là. Il va prendre l'intérieur, meilleure sortie de virage. Et pour l'instant, c'est payant pour cette Porsche. Oh, le freinage un petit peu tôt, malheureusement, pour Cédric Rousseau. Et du coup, ça lui va lui faire perdre beaucoup de temps sur le Loïc Tenitri. Ouais, le Loïc Tenitri qui va reprendre cette P25 avec un petit coussin d'air. Et devant, plutôt calme, Antoine Drez qui est en train de gérer sa course, tout simplement. Et derrière, on a Johan Morcan qui essaye de revenir. Mmh. Mais au dernier tour, on était plus long de 5 dixièmes. Donc, c'est un circuit compliqué pour les Porsche hein, Indianapolis avec ses deux grosses lignes droites. Et malheureusement, pas beaucoup de passages assis, un petit peu sinueux qui lui seraient favorables. Du coup, on s'accroche comme on peut. Ouais, après, Arnaud Mander est pas si loin que ça de Johan Morcan pour une P2. Il lui a mis 5 dixièmes sur le dernier tour. On revient tranquillement et on emmène dans la roue Thomas Baranowski pour le pilote de la Ferrari numéro 7. Gérard Lambin à la poursuite de Luke Skyplayer pour la P29. Ça freine assez tard et du coup ça recolle comme il faut cette McLaren sur la Honda devant lui. Très jolie, elle a l'air d'un un peu peinte par un artiste. Ouais. Vous savez, une peinture. On a Guillaume Lucas aussi à la P28 qui va essayer de récupérer la position de Chris Despierres. Ouais, après pour Guillaume Lucas, on roule bien plus vite. Hein. On roule bien plus vite que la Bentley, mais la Bentley défend ici. Effectivement, le dernier tour, 2 secondes plus rapide. Difficile à dépasser. Ça va jouer sur je pense que ça va jouer sur la ligne droite des stands. Ouais, un petit peu, mais ouais, toujours valide pour la Ferrari. Ça se rapproche pas mal pour Guillaume Lucas du côté de Chris Despierres. Il va falloir soigner les derniers virages pour Rouge, justement. Pas du tout, Charter, pas du tout. Je me suis pas du tout levé à 11h.
justement, du côté de la Ferrari numéro 27, on enchaîne bien les derniers virages. Il faudrait sortir de cette courbe bien collée à cette Bentley pour espérer faire quelque chose. On a Sam Fisher également, toujours sur Nicolas Jarry, là pour la P19, qui est en courant de l'évolution de cette bataille. La Bentley qui a de quoi se défendre sur la Ferrari en ligne droite. Et pour l'instant, on a Sam Fisher là qui est 2 dixièmes plus rapide que Nicolas Jarry sur le dernier tour. Oh, bah Chris Despierre qui est parti dans l'herbe et ça profite à Guillaume Lucas. Et par contre, ouais, derrière c'est Thomas Chagnoux avec Hervé Boutin qui ont eu un contact. Oh, attention parce que le retour de Thomas Chagnoux sur la piste devant Brice Monterremar, il était dangereux. Julien Bien qui vient de perdre 3 positions face à William Gauzan et Kezitem. À toi aussi, t'as eu un fatal error, McLoy? Je suis pas le seul ce soir. Non, mais c'est vrai, peut-être la soirée. Et je te propose d'aller voir la P9. Franck Nada, ouais. Franck Nada. J'allais faire le call, Franck Nada, sur l'aspiration sur Quentin Dragon là pour essayer de récupérer cette P8. Ça tiendra pour le pilote de l'Aston, vainqueur de la semaine dernière. Et un peu plus loin derrière, Sam Fisher qui continue sur Nicolas Jarry. Décidément, là, il est resté à la défense. Mais ça va peut-être passer là pour Sam Fisher. Là, Nicolas Jarry qui a pris un petit peu large sur le premier virage. Mais qui a réussi à bien maintenir sa défense. Ouf, pas passer loin celle-là. Lodi derrière qui est en drift. Lodi qui va. Gary Hobson qui esquive. On l'a vu depuis l'aileron de la voiture de la Race Spirit Team. Ouh, c'était tendu, oui, pour Gary Hobson. Loin. Ouais, Gary Hobson qui a dû se faire une belle frayeur là ici. Il aura perdu une position face à un Costinger, mais on aura évité le pire. Romain Faou qui vient à la P15 sur Julien Bien. Ça passe. Ouais, oh, ça a glissé pour Julien Bien en plus. Derrière, on a Vincent Spice, malheureux du premier tour là, qui a eu un contact, qui essaye de remonter tant bien que mal depuis tout à l'heure. Oh, ça drift encore. Vincent Spice qui est venu au plus proche, attention hein, de ce côté-là, et on va en profiter pour la McLaren du pilote belge. Décidément, les Belges se mettent sur la figure bien sévère ce soir. Merci à tous pour le subscribe. Traverse les vitres et les habitacles là. Attention. Et il est en forme, Vincent Spice, après avoir passé la Spice, Porsche. Ouais. On va enchaîner sur la Stone. Et oui, ça suit belle vitesse. Ah, est-ce que du côté de derrière, on s'en emmène la Porsche qui va récupérer l'aspiration. Ouais, le train-train. Attention, on va essayer de se décaler pour peut-être aller rechercher la position sur la McLaren. Ce ne sera pas le cas. Et Vincent Spice qui nous fait une belle opération là. Hein. Exactement, très très belle manœuvre de sa part. Il s'est délesté de toutes ses frites, hein, donc forcément il était plus rapide. Il s'est arrêté sur le côté, là, il a tout donné aux tribunes. Le pilote de la McLaren. On salue bien sûr nos amis belges. Et David Neyoz là, à l'attaque sur Brice Monterremar. À la P6. Oh oui, ça chauffe pour la BMW M4. Et Commander qui est dans l'échappement de Johan Morcan. On va rester sur David Neyoz qui est bien plus proche que Arnaud Mander et Johan Morcan. On plongera bien sûr sur eux très rapidement. La M6 qui se fait menaçante là sur cette fin de course. Il reste 2 minutes 30. Si je dis pas de bêtises, non, 2 minutes, oui, 2 minutes 36. 2 minutes 36. Je ne dis pas de bêtises. Donc je suis sur autre chose, 2 secondes. Et on a pris un peu d'air, mais on a pris un peu large pour Brice Monterremar. Cette ligne droite va lui être fatale, j'ai l'impression. On va se décaler pour David Neyoz et on va peut-être pouvoir tenir grâce à sa VMAX du côté de la M4. On est côte à côte ici. Et est-ce qu'on va pouvoir croiser? Bien sûr, on va faire intérieur-intérieur pour Brice Monterremar. Et sur l'extérieur, ça devrait passer pour David Neyoz. Toujours côte à côte les deux pilotes. Il y a juste ce qu'il faut pour les deux voitures. Toujours côte à côte encore une nouvelle fois. Et ils vont pas se lâcher. Ils vont pas se lâcher. C'est en train de passer pour David Neyoz, j'ai l'impression. La nouvelle génération contre l'ancienne génération. Qui va gagner? Les deux BM. Côte et à côte. Les pilotes sont côte à côte depuis tout à l'heure. Et ça passe pour David Neyoz. Ça glisse un peu pour Brice Monterremar. Belle bataille entre les deux pilotes. Ce sera David Neyoz qui en sort gagnant au bout d'un secteur entier. Côte à côte. Oui.
C'était plutôt beau. Très très belle bataille. Et on sait du côté de Brice-Montermark qu'on a peut-être pas forcément la possibilité d'aller le rechercher, mais qu'on a bien aimé cette phase entre les deux pilotes. C'était magnifique. Et on a Julien Billin qui est toujours dans l'échappement de Vincent Spice à la P15. Oui, et qui garde avec pour lui du coup l'Aston. Ça garde, ouais, ça garde bien le. Ouh, ça a glissé pour les deux voitures. Et derrière aussi, ça a glissé. C'est la McLaren. Ça devient compliqué pour plusieurs pilotes. Et Romain Faou du coup qui va pour l'intérieur, ça se touche. Et ça se retouche, les deux qui partent au large. Et ça ouvre la route pour Eric Diaboloum qui récupère deux positions. C'est dommage. Nicolas Jarry également qui va en profiter. Sam Fischer, Anthony Kossinger, Gary Hobson qui en demandait pas tant. Frank Hartmann également qui va en profiter pour reprendre une position. Et bah là, c'est la dégringolade pour Romain Faou malheureusement. Ouais, et Romain Faou. Julien Bien qui a réussi à pas trop perdre, malheureusement. Pas trop perdre, heureusement pour lui. Mais voilà, il a là pour l'instant, il a Nicolas Jarry qui est bien arrivé juste dans son pare-choc, dans son rétroviseur. Et il va falloir défendre là sur le dernier tour. Mon ami Barbie, la oui. P2 chauffe avec la 3 et la 4. Absolument. Qui n'est pas si loin. Absolument. Pour ce dernier tour. La Porsche qui va chercher un peu d'herbe, c'est peut-être dangereux pour sa VMAX. Mais on a l'air de pouvoir tenir le coup du côté de Johan Morcan pour cette P2. Et Arnaud Mander qui est sous bonne escorte hein, là de la part de la team VDK. Attention à ne pas trop prendre d'herbe, on n'est pas sur e-racing, Johan Morcan. Merci pour le follow. Ça ne fait pas refroidir les pneus. Et notre ami Antoine Dresse qui est en train de gérer sa course. Ouh, derrière lui, il y avait McLaren qui est parti bien large. Et Antoine Dresse là qui va passer la ligne. Ouais, on est avec lui, le pilote de la BMM 6, numéro 997, qui va remporter cette première course ce soir, ici à Indianapolis, la première sprint de cette soirée. Félicitations, belle course, bien gérée, belle qualif. Et derrière, c'est Johan Morcan qui aura fait l'effort d'aller chercher Arnaud Mander. Et ça se sera joué jusqu'au bout, puisqu'Arnaud Mander est juste derrière, accompagné de Thomas Baranowski, qui clôture ce top 4. David Neyoz, lui, viendra charmer le P5 de cette course. Brits Monterremar, qui aura fait une très très belle bataille avec David Neyoz sur le dernier tour, vient chercher une belle P6, Thiago qui ira chercher la P7. Oui. Et derrière, Thiago, bataille première, encore une fois. P1 semi-pro pour oui, Thiago. P1 semi-pro pour Thiago Motinho. Quentin Dragon qui vient chercher la P8, juste devant lui, juste derrière lui, Franck Nada. Fabien Espoulos pour la P10, Benoît Clerc pour la P11. Mario viendra chercher la P12, suivi de très près par Kezitem. William Gozan également qui était pas si loin que ça avec Vincent Spice. Décidément, tout le monde se suit, hein. Une course plutôt. Oui. Voilà, tout le monde arrive au compte-gouttes là ici. On vous laisse profiter de leur arrivée. Je vais redémarrer le jeu entre la fin de session et la nouvelle. Aucun souci, Gary Hobson, l'organisateur qui finira à la P21, juste devant Frank Hartmann. Hein. On a vu le gros carambolage qui s'est fini. Kezitem qui vient chercher la première place AM. Frank Hartmann la deuxième place AM. Romain Faou la troisième place AM. Je vais remonter pour aller chercher la première place semi-pro pour Thiago Montigno. La deuxième pour Quentin Dragon. Et la troisième dans les mains de Fabien Nespoulos pour ce classement pro et semi-pro et AM. On va essayer d'ailleurs aussi de garder cela. Je vais me faire quelques petites copies le temps que notre ami Barbie gère son côté. J'ai tout qui est, le podium il est déjà écrit. T'as tout noté là de... Ouais. Juste le podium général. Oui, non, mais moi je veux les AM, les machins là. Oh, t'es... le mec relou. Vas-y, allez, note-moi ça. Aïe aïe aïe, quelle course en tout cas, on n'a pas eu le temps de regarder, je pourrais regarder ça peut-être le temps que ça n'a pas été fini, on pourrait voir, et j'ai l'impression que c'est en train de switch, non c'est bon, ouais c'est en train de switch, donc dommage pour ce que je voulais faire, les pilotes qui vont du coup avoir une deuxième course dans la foulée, et qui vont avoir des qualifications et une seconde course pour votre plus grand plaisir. Ouais, c'est bon, c'est noté, t'es content ? Et je suis très très content. Un truc qui m'étonne là, c'est... Je redémarre vite fait. Les hausses et baisses de ma connexion qui vacille assez grandement, je trouve. Ouais, j'ai eu une déco moi aussi aujourd'hui, donc don't panique.
Oui, mais tout de même, cela me chagrine. Pour vous, amis spectateurs, est-ce que vous avez des grosses pertes? Est-ce que vous voyez des petits trucs de... Dites-nous, voir si ça mérite un arrêt de tout ce que j'ai lancé, puis relancement, ou si on est pas mal, ça passe, c'est ok, et on finit comme ça la soirée. À vous de me le dire. En attendant, je bois une petite gorgée. Incidents plutôt corrects de la part de Gary Hobson, apparemment, du côté de tout ce que l'on appelle les incidents de course. Ah, bon, j'ai pas, je suis juste en train de. Je vous laisse 10 secondes, les amis. C'est juste que je peux pas aller jusque là-bas avec mon casque. 10 secondes, bougez pas. Mes amis. Donc, course 1. Du coup, en attendant que ça switch un peu, on doit peut-être déco. Non, je ne sais pas, tu as une information, Barbie? Je Non, ne sais. Non, ça non, va c'est, ça se. s'enchaîne, ça Ça s'enchaîne, s'enchaîne, ça ça s'enchaîne. s'enchaîne, super. Eh bien, du coup, si on peut peut-être faire un tour, vu que ça va s'enchaîner après, je peux faire ce que je voulais faire. C'était donc. Voilà, positionne Delta. Sur cette course, on aura donc une remontée de deux places pour David Neyoz, une perte d'une place pour Montérémar. Ah mais oui, mais ça va être faussé parce que j'ai déco entre deux. Ah mais oui. Bon bah c'est full faussé, donc on prendra pas cela. Par contre, information importante, la qualification de cette deuxième course, mes amis. Merci Unit pour ta Wii. Le salaud, lui, il a réécouté le début de live. Merci beaucoup Unit qui Prime. Merci pour ton abonnement, 7e mois d'abonnement. Information importante, mon ami Barbie. La qualification Oui, se lance sous une pluie battante je vois ici ça. à Indianapolis. Les pilotes qui vont devoir faire une qualif. As-tu une information sur la météo, mon ami Barbie? Eh bien, pluie, puis pluie plus dans 10 minutes, et pluie plus dans 30 minutes. Il est tout intérêt de faire un temps chrono maintenant. La pluie va s'intensifier, la densité va s'intensifier. Une nouvelle fois, Brock qui s'élance dans les premiers, qui est suivi par Vincent Spice et Sam McLaren. Les J'ai pilotes qui vont cru. devoir faire un temps très très vite avant que Je me la suis météo trompé de ne vienne bouton. folle. J'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que vous avez fait, mon ami Barbie? J'ai appuyé sur mon bouton pour lancer un live, Ah! mais s'il n'est pas lancé. Du coup, il est possible que ça ait fait des bêtises. Tout va bien se passer, Barbie. Ne vous inquiétez pas. Allez, je suis Allez, pas sûr. Hein. les pilotes là qui vont. Du coup, vous voyez cette pluie hein, qui est bien installée, cette deuxième qui va être compliquée. Les pilotes qui ont déjà vécu 30 minutes de folie, et bien là, on va peut-être les vivre sous la pluie. Après, ça ne veut rien dire. Hein. Peut-être qu'on a une qualif sous la pluie et un départ sur le sec. Hein. On avait eu des essais libres Tout pluvieux. à fait. Donc ça ne veut rien dire. Tout le monde sort des stands quasiment. On a encore une dizaine de voitures dans les pits, mais c'est en train de sortir au fur et à mesure. Tout le monde l'a bien compris. Il faut sortir au plus vite pour faire un chrono avant que la piste ne soit bien pire. Alors, mes amis, dans le chat, n'hésitez pas à encourager les pilotes. J'en profite pour vous rappeler qu'on va organiser une course d'endurance le 12 novembre, départ à 14h. On aura les studios LDLCOL à disposition comme le LDLCOL Endurance Series. Sauf que là, ce sera juste pour une endurance one shot 6 heures sur Monza, accompagné de Kamak, Xerac. Xerac sera sûrement en distanciel, mais sur place, il y aura Kamak. D'autres streamers également sont prévus à la fête. Vous pouvez participer. Les inscriptions ouvriront après cette soirée, après ce cast. Vous pouvez taper point d'exclamation 6 heures, donc juste le chiffre 6. Et la lettre H, vous aurez du coup, voilà, ça va vous dire que plus d'informations est sur le Discord, plus d'informations sur le Discord, pardon. Et donc, il y aura une partie de la commission de course sur place. Il y aura également le cast qui vous sera dévoilé plus tard, tout comme la commission de course et moi-même qui roulera.
sera sur place. Donc pas mal de petites annonces qui vont arriver dans les jours qui suivent. Faut venir vraiment avec un esprit bon enfant, que l'on souhaite juste passer une bonne après-midi, 6 heures avec un pote. C'est ouvert aux équipages de 2 à 3 pilotes. On autorisera les pilotes solo si toutes les places ne sont pas remplies. Mais priorité au duo. Donc ramener un copain, c'est toujours plus sympa. Allez, du côté de nos qualifications, les temps vont commencer à arriver. Les pilotes ont fait leur premier tour de sortie. Donc là, on est sur le premier tour lancé après tour de sortie pour la 85 de Brock dans la catégorie AM. Et on a Vincent Spice également qui est là. Alors, je sais pas si je dois le relancer mon truc parce que je vois les positions 1, etc. un peu fuck up. Oui, il faut peut-être le relancer, ouais. Alors, c'est pour ça que j'ai redémarré le jeu. Fais ça. Parce que la dernière fois, ça n'avait pas fonctionné de relancer l'application. Ça avait tout cassé. Moi, oh, c'était ok la dernière fois. Voilà, c'est revenu bien comme il faut. Tout ce qu'on veut, c'est le personal best. Et du coup, Brock qui va venir valider le premier chrono si tout s'est bien passé pour lui ici. Et voilà, il va valider mur, une 45-962. Vincent Spice, une 45-410. On va voir les chronos qui suivent, qui vont arriver. On a notamment la voiture d'Arnaud Mander. Est-ce que vous avez bien reçu mon message? Je ne sais rien, moi. Où ça? Sur Discord. Oh, mais vous faites chier, vous croyez que je suis sur Discord pendant que je casse une course? Bah c'est... Hey, on me demande le classement, je le donne, point barre. Ah oui, mais ce sera pour après. Tout va bien. Tout va bien, mon ami Barbie, tout va bien. Non, ça va pas. Mais si, ça va bien, tout va bien. Bon, du coup... Reprenons ses qualifications. Pour moi, Arnaud Mander qui nous refait le coup de la pole position. Johan Marquand qui le suit de très, très près avec un 44-722. Brice Monterma, clignote en violet là, actuellement. Ouais, la BMW du pilote Brice Monterma à la numéro 220. On va voir un peu ce que ça donne en vue intérieure. Hein. Attention, parce que devant lui, je crois que c'est Gary Hobson. Attention de ne pas se faire gêner. C'est David Neyoz là, par contre, qui est en train de faire un très joli chrono. Attention, David Neyoz qui prend intérieur. On cligne toujours en violet pour le pilote de la BMM 6. La pluie qui sera présente pendant toutes ces qualifications. Donc il n'y a pas à réfléchir. On y va. Point barre. Bon, ça a coupé là pour la voiture derrière Gary Hobson. Ah, c'était celle de Brice Monterémar. À 220, ouais. Et toujours, toujours bien. Ouais, toujours David Neyoz. Une seconde d'avance pour David Neyoz, ouais. On devrait aller chercher un très joli chrono. Une 43-730 est en train d'arriver. On sera à peu près dans ces eaux-là si pas d'erreur de la part du pilote de la 988. La M6 qui a l'air de bien se comporter sous cette pluie. Absolument. Allez, David Neyoz qui, Quentin Dragon, qui prend la pole pour le moment, une 44-417, mais ça devrait être pris facilement par David Neyoz en une 43-725. On vient taper un grand coup sur la table. Johan Morcan qui vient chercher la P2 pour le moment, une 44-200. Mais David Neyoz vient de faire un grand coup là dans ses qualifications. La BM, pratiquement 5 dixièmes d'avance hein, pour David Neyoz. Ouais, la BM6 qui attendait peut-être tout simplement la pluie, mais je vois que Brice Monterémar est en train de reprendre aussi un peu d'assurance. On est sur une amélioration de 6 dixièmes, pas suffisante pour aller chercher pour le moment David Neyoz. On a mais Thomas Baranowski là, qui vient d'améliorer de 1 seconde 3 et qui récupère la P6. Ouais, P6 pour le pilote du team VDK, la numéro 35. Brice Monterémar, belle avance de 6 dixièmes hein, qui devrait le propulser en P2 de justesse si on arrive à maintenir ça. Et David Neyoz qui repart. On sait qu'il y a du concurrent derrière, notamment là l'amélioration de Brice Monterémar hein, qui vacille entre 6 dixièmes et 8 dixièmes. Et là qui est carrément sur du 1 seconde. Donc autant vous dire que la pole se joue à pas grand chose là. S'il arrive sur les derniers virages à reprendre un ou deux dixièmes. On devrait aller chercher. Ouh, on a glissé, j'ai eu peur là pour Brice Monterémar.
Et en tout cas, si on assure bien les derniers virages, on devrait assurément aller chercher une seconde position. Beaucoup de temps perdu là sur l'avant-dernier virage. Arnaud Mander qui a fait une 43-795 pendant qu'on en parlait. Oh oui. Le petit fourbe, il l'a fait en spread. Et ouais, du coup, Brice Montremer qui devrait reprendre la troisième position, voilà. Dommage, hein, parce qu'on a perdu pas mal de temps dans les derniers virages du côté du pilote de la BMW. Pas facile. Et en tout cas, Quentin Dragon, toujours qui survole la catégorie semi-pro. Espoulos qui essaie de lui tenir tête en P10 pour le moment sur les qualifications. Et c'est Rousquet et Brock qui font le P1, P2 amateur là pour le moment. Après, il nous manque quelques chronos. Et on est de nouveau 37 pilotes. Hein. Tout le monde est revenu pour la deuxième manche, même pour si. La deuxième course. Et pluie moins dans 30 minutes. Bon, ce qui sera anecdotique au vu de la durée des qualifications qui se terminent dans moins de 6 minutes. Après, si on regarde bien, la session de qualification a lieu à 9h le matin et la session de course à 14h. Ouais, peut-être un signe sur le fait que potentiellement du sec, mais potentiellement une accalmie pour revenir sur une pluie. Hein. C'est ça. Bon, là, malheureusement, on ne peut pas savoir. Ouais, chercher l'herbe du côté de la Ferrari, ça me semble un peu loin là pour Guillaume Lucas. En tout cas, pas d'amélioration pour le moment, à part celle de William Gauzan qui est en P23 pour le moment. La Bentley, un peu dans son élément hein, dans l'eau. Oh, attention, c'est peut-être coupé ça, non, c'est toujours autorisé du côté de William Gauzan. On va récupérer quelques positions qui feront du bien. Une seule, on passera devant Loïc Tenitri. On prend la P23 pour la Bentley numéro 124. Et David Nios qui est en train d'améliorer de très peu. Mais d'améliorer du côté de Brock, on va s'écarter. Amélioration pour le moment. Essaye de s'assurer parce que derrière. Un petit dixième d'amélioration pour David Neyos. Parce que derrière, je vais vous mettre les best laps parce que je suis pas sur les best laps. Bon bad. Voilà, sur les best laps, on est à 70 millièmes. Tout simplement. Entre David Neyos et Arnaud Mander. Arnaud Mander, c'est un peu l'histoire de sa vie ce soir. Il était à 50 millièmes. Arnaud Mander qui n'est pas amélioré surtout. Hein. Donc il y a moyen d'aller chercher. Ouais, et Arnaud Mander, là, on en parle, mais qui est en train de clignoter justement actuellement en violet. Ah, j'ai parlé trop vite. Oui, arrêtez de lui porter la Shkubun. Comment dire, il y a qui clignote en violet. Là, un peu d'amélioration. Et Arnaud Mander qui clignote en violet. Ouais, Arnaud Mander qui est en amélioration de 2 dixièmes là dans le dernier secteur. Attention, il nous reste quand même une partie assez sensible et surtout une McLaren devant lui. On espère que ça gênera pas trop. Ça s'écarte, c'est sympa. Merci beaucoup. C'était la blanche, il me semble, de celle qui est joliment peinte, j'ai l'impression. Je n'ai plus le nom du pilote. Ouais, mais du coup, merci ça, à toi. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Ça a gêné. Oh, je pense pas que c'est ça qui est gêné. Je pense que c'est les virages d'après parce qu'elle a vraiment facilité le passage. Elle en est à. Ouais. Elle a rien à voir là-dedans. Si, il a gêné. Horrible, non, bien cet sûr. Enfant. Ah, j'étais c'est extrêmement la voiture de Gérard Lambin, bien sûr, qu'on remercie d'avoir joué le jeu au niveau du drapeau. Drapeau bleu sur les qualifs. C'est à noter, il faut le noter. C'est très aimable d'avoir gêné, ouais, merci beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie, lui. Je vais le virer bientôt, vous inquiétez pas. Hein. Son contrat se termine à la fin de ce championnat. Parfait, je comptais pas casser le dimanche. C'est pour ça que je dis ça. belle amélioration pour le moment du côté de Nicolas Jarry. Une seconde en ce moment. Il est pour le moment en P30, en drift total dans le virage. On va avoir perdu pas mal de vitesse et ça se sent. On est descendu déjà à 6 dixièmes restants. Derrière, c'est Loïc Tenitri, je crois, qui va prendre le mur. Attention, parce qu'on est sur. Ouais, ça a gêné David Neyos, j'ai l'impression. Non, c'était pas David Neyos, c'était Antoine Drez. Et on remonte à la P25 pour Nicolas Jarry avec ce tour. Et Antoine Drez qui s'est fait peur avec la voiture de Loïc Tenitri. Ouais, c'est bien de garder les freins quand on est en déroute, mais attention de pas non plus être sur la trajectoire. C'est ça, mais après pas évident sous cette pluie. Pas mal de voitures sont au stand pour le moment. On n'a pas l'impression de vouloir aller chercher mieux. Il reste 2 minutes 6. Après, la pluie s'est intensifiée, mon ami Barbie. Pardon ? Donc, la pluie s'est intensifiée. Oui.
Donc oui, oui, oui. Pas sûr que les pilotes arrivent à faire mieux que ce qu'ils ont fait déjà. Et donc, dans 30 minutes, la pluie va très, très largement diminuer. Elle sera toujours présente, mais elle va diminuer. Dans 1 minute 48, oui, mais... ces qualifications sont terminées. À moins, dans 5 heures, c'est la course, donc ça peut tout changer. À moins que du côté d'Arnaud Mander, dans ce dernier tour qu'on est en train de lancer, on puisse aller chercher une amélioration sur David Neyos qui est au pit. Hein. Donc, du côté de David Neyos, on n'ira pas chercher plus loin. La 988 au stand, tout comme Johan Morcan de la team VDK, Quentin Dragon à la P5, Thomas Baranowski à la P7 pour le moment. Ça ne bougera pas pour eux, à moins de perdre une position. Arnaud Mander en retard d'un dixième là sur le premier secteur. Et pas facile, hein. Ouais, on a pas mal de retard, la piste qui a été pas mal, je trouve, dégradée. Ouais, 6 ouais, dixièmes de retard, ce sera très très sur le potentiel. Arnaud Mander peut aller chercher un dixième sur David Neyos. Ouais, mais le problème c'est que là on est déjà en retard de 8 dixièmes. Ah, voire d'une seconde. Effectivement. Et que c'est clairement le dernier tour, sauf si on passe vraiment au dernier moment cette ligne de départ. Mais j'ai l'impression que ce sera pas faisable. Il y a Hobson qui était en train d'améliorer, qui là vient de revenir au stand. Donc on restera à une P9 pour le moment. Il y a moyen qu'il passe avant le drapeau, Arnaud Mander. Faut voir parce qu'on a encore. Mais est-ce que ça va pas faire comme Kota la semaine dernière? Est-ce qu'on a encore. Ou ça va se couper juste avant le. Non, parce que là il y a assez de temps, je crois. Je crois qu'il y a assez de temps, il a 10 secondes, non ça va être compliqué, on rentre au stand pour Arnaud Mander, ouais. Ça en restera là sur la P2, Brice Monterremar qui n'arrivera pas à évoluer, pas d'amélioration nulle part du côté des pilotes, on l'a dit, hein, cette piste qui s'est détériorée avec cette pluie qui s'est intensifiée, il fallait faire un chrono très tôt, et le plus rapide à Jola, ce fut David Neyos pour 6 millièmes de mieux. Que notre ami Arnaud Mander. Arnaud Mander. 70 millièmes, je dis des bêtises, non? Non, c'est 7 millièmes. Non, c'est ça. Non, 70. 70, ouais. Ouais, 70 millièmes. 7 centièmes, si vous voulez. 7 centièmes, oui. C'est les vacances qui se terminent. C'est pas facile. C'est pas facile. Et les derniers pilotes à rentrer, ce sera Brice Monterremar. On profite peut-être de cette fin de session hein, pour essayer un peu cette pluie. Il restera également Sam Fischer à la P21 qui n'améliorera pas non plus. Hein, je vous l'ai dit, personne n'améliore. Très très compliqué cette pluie battante ici à Indianapolis. En tout cas, les pilotes qui vont avoir fort à faire ce soir. Allez, on est en train de terminer pour Sam Fischer qui me semble... Non, il y a aussi le 972 qui est en train de terminer son tour. Et donc on aura une première ligne David Neyos, Arnaud Mander. La 972. Elle a déjà passé le drapeau? Ouais. Ok, ouais. Très bien. Ouh, Sam Fischer. Il reste que la 3... Bah non, il reste plus personne. Ce sera terminé du côté de Sam Fischer. Rentre au stand. Les pilotes qui vont bientôt être mis sur cette grille et ce sera de la pluie, mon ami Barbie. As-tu une information? Je regarde mon petit radar météo. Oh oui, une très belle information, puisque dans 10 minutes, la pluie est arrêtée. Et dans 30 minutes, pareil. Elle revient. Non, elle s'arrête. Non, non. Okay, elle est arrêtée. Là, il y a 10 minutes de pluie et en gros 20 minutes de sec. Alors, en gros, vu comment il pleut, le temps que ça s'arrête, le temps que ça sèche, ouais. Il est fort probable que ça termine sur du pneu pluie pour tout le monde. Ah, je sais pas, hein, parce qu'ils sont quand même 37. Dans moins de 10 minutes, ça s'arrête la pluie. Donc, ouais, avec un peu de chance, on peut avoir 10 minutes, 5 à 10 minutes sur le sec. Après, est-ce que ça vaudrait le coup de rentrer ou pas? Est-ce qu'on aurait au pilote de prendre la décision? Est-ce qu'on aurait des grands foufous qui nous referaient une Imola? Est-ce qu'on aurait des grands foufous qui feraient bah moi je pars en sec. Il pleut pas forcément plus fort qu'à Imola. Ouais. Peut-être. On va voir un peu ce qui va se faire. À surveiller.
Et je dis ça, mais je vais aller vérifier tout de suite. Allez-y, mon ami Barbie, guettez un peu ces pneus. Alors, je vais au plus près de la pit lane. Allez-y, mon ami Barbie, sortez vos jumelles. Guettez cela. Pour l'instant, je fais les tours pneus sont relativement... De nos amis sur la grille. Ah, ce sont des pneus pluie hein, pour l'instant. Et je remonte la grille de départ. Ils vont les mettre au dernier moment. Salut, Pépis. Cher ami. Dites-moi. Information, Quentin Dragon est en pneu sec. Je répète... Quentin Dragon est en pneu sec. On a peut-être une tentative du côté de la RST de faire quelque chose. Brice Monterremar est en pneu sec également. Attendez, je remonte la grille. Oh, alors que Arnaud Wander a changé de pneu. Toujours pour les pneus pluie. Allez, première ligne, David Neyoz, Arnaud Mander. En deuxième ligne, bronze, Brice Monterremar, Johan Morcan de la team BDK. Et on a la 480, Gohan qui est en pneu sec également. Ah, attention, est-ce qu'on n'est pas un petit peu comme la dernière fois, mon ami Barbie. 696, Quentin Dragon avec Vincent Spice sur la troisième ligne, 5 et 6e position pour les deux pilotes. C'est assez kiff-kiff, hein, les pneus pluie. Il y a 60-40, 60% de pneus pluie, 40% de pneus secs sur toute la grille. Ah, il faudra voir si c'est une vraie info. Du côté de Thomas Barnowski et Franck Nada, on est à la 7e, 8e position. Et pour ce top 10, ce sera Gary Hobson et Fabien Espoulos qui termineront ce top 10. Luke Skyplayer lui partira de la dernière position. Les Honda, pas très à la fête sous la pluie ici. Tout à fait. Et Brock, il est au Brock, il est là. Brock est en pneu sec, il nous l'a confirmé dans le chat. Est-ce que tu as été voir la formation sur la piste? Le. Bah, pour être sûr qu'on n'est pas en mode bug. Oui, c'est confirmé. Rappelle-toi la dernière fois que toi et moi, on ne voyait pas la même chose. Ouais, non, mais c'est confirmé là. Donc, je pense qu'il y a. Il y a une petite dizaine de voitures en pneu sec. Mon ami Barbie. Oui, c'est moi. Depuis ma vue, je ne vois pas de pluie. Ben oui, parce que la pluie s'est arrêtée, cher ami. La pluie s'est arrêtée, pluie les pilotes s'élancent, la piste est mouillée, mais la pluie s'est arrêtée. Est-ce que, voilà, on va avoir eu le bon choix pour certains, le mauvais pour d'autres, la stratégie est lancée, plus moyen de faire machine arrière pour les pilotes. Barbie a été voir sur le bord de cette piste, une bonne moitié de la grille est en pneu pluie, l'autre en pneu sec. Alors qui aura raison de souffrir au début ou à la fin? Il va falloir voir comment aussi cette piste s'assèche, puisque la pluie n'est pas prévue d'être de retour. Hein, non, nous elle ne reviendra pas, c'est confirmé d'ici les 30 prochaines minutes. Et donc vous le voyez à l'écran, hein, la seule pluie qui est présente, c'est celle qui est sur la piste. Plus de pluie qui tombe, on aura tout de même des gerbes des sprays derrière les voitures puisque la piste est pas mal humide. Et donc il faudra faire attention à ça. Est-ce que tu repères des pilotes qui ont décidé de prendre le sec un peu en difficulté déjà sur ce tour de chauffe, mon ami Barbie? Et alors en difficulté, non. Après, je sais que Brice Monterremar normalement est en pneu sec, par exemple pour le top 3. Ouais, une bonne information ici, hein, à garder à l'œil cette BMW M4. Qui va avoir fort à faire pour l'instant, hein, pour l'instant c'est le seul dans le top 10 à avoir les pneus secs, hein. Ouais, on va voir un peu ce que ça donne sur le départ. Est-ce que ça va pas trop le tuer ou est-ce que ça va te sauver sur la fin de course? On l'a vu sur la réaccélération un peu dans le virage. Attention, hein. Les voitures qui se remettent en double file, on va avoir un départ pour 30 minutes, mes amis, sur une piste mouillée, mais plus de pluie en séchage, en cours de séchage. On a Brice Monterremar donc qui est à la 3ème position actuellement en pneu sec et Gohan à la P14 en pneu sec. Tous les autres sont en pneu pluie entre eux deux et après quelques autres pneus secs par-ci par-là derrière. Ouais, ça va être hyper intéressant de voir comment les pilotes qui ont décidé de partir en sec gèrent ce départ, puisqu'il y a quand même de belles traces de pluie tout de même. Et il faudra voir également comment les pneus pluie vont réagir sur la fin de course, parce que sur une course sprint il est hors de question de compter sur un arrêt. Donc advienne que pourra, et on va le savoir très rapidement. Et le green qui est donné, le bon départ de la McLaren de Vincent Spice juste derrière la Porsche du team VDK.
Il est suivi par Franck Nada. Et sinon pour le top 3, ça tient bon. Et Brice Monterremar qui vient à la hauteur de la voiture d'Arnaud Mander pour le premier freinage. Les teams VDK là, qui ont failli se faire un bisou, on s'écarte. La Audi qui vient justement tacler son coéquipier Johan Morcan, qui vient toucher, enfin qui s'est fait toucher je crois par Thomas Barabanowski ou l'inverse. Mais en tout cas du coup carton derrière qui va occasionner quelques petites touchettes. On est déjà reparti hein, pour les deux voitures. Et qui se fait attaquer par la Race Spirit de la 920. Il me semble que c'est celle de Quentin Dragon qui en a profité. Oui. Et Antoine Dresse juste derrière qui est à l'attaque. Départ compliqué pour la VDK. Qui part de très loin là puisqu'il est déjà... Il a la P34, il a déjà récupéré une position. Mais bon, ça va être compliqué pour lui. D'autant plus que... Il est en pneu pluie, donc faudra voir comment ça se passe pour lui cette remontée. Il perd gros là sur ce premier virage. Ouais, Brice Monterremar qui commence à se faire détacher par les deux premiers. Ça se sent sur le freinage, c'est assez délicat pour le pilote de la BM. Et derrière, on revient bien pour Franck Nada, Gary Hobson. Tu as une information sur cela? C'est du pneu pluie? Normalement, pour l'instant, dans le top 10, le seul pneu pluie, c'est Brice Monterremar. Et ensuite, on a Gohan à la P17. Et entre deux, normalement, tous les autres sont en pneu pluie. Bien entendu. Les deux. Oh, encore un contact pour Johan Morcan avec une Ferrari. Aïe aïe aïe, la Ferrari de qui d'ailleurs? C'est Johan Morcan qui est au fond, Guillaume Lucas, la numéro Guillaume 27. Lucas, ouais. Ouais. Et nous on était sur la bagarre là en ce moment autour de la P26. Derrière on a plusieurs groupes qui se constituent. Duel de McLaren, triplette de McLaren d'ailleurs avec la Vaillante qui arrive. Et derrière c'est la Bentley de Chris Despierre, si je dis pas de bêtises, qui essaye de prendre le meilleur. Et ça se suit de près et c'est tendu sous la pluie, hein? Absolument. Assez compliqué, surtout pour ceux qui sont en pneu sec, pardon. Mais on s'en sort bien pour le pilote Brice Monterremar tout de même. Et Vincent Spes qui a fait un beau départ, qui est juste derrière Gary Hobson à la P6 là. Et qui se montre menaçant, mais qui emmène dans ses rétros Fabien Espoulos, accompagné de Quentin Dragon. Allez, Gohan qui se fait dépasser à nouveau par Eric Diaboloum. Antoine Dresse et Thiago Montino qui sont dans l'herbe là. Il y a eu un contact entre les deux pilotes. Ouais, ça repart tout doucement avec Antoine Dresse qui repartira devant. Thiago Montino. Oh, ça part large pour la Vaillante. Attention, retour en piste. Hein. Quand c'est humide comme ça, c'est compliqué. Ouh, derrière c'était. Ça prend large compliqué. Pour la Aston Martin numéro 101 de Mario. Ouais, bah on a préféré en cas de pépin hein, prendre l'écart. La Bentley là sur la P25 qui est assaillie par la Vaillante et Thiago Montino qui a repris le chemin des pistes. Oh. Devant. Vous l'avez vu devant. Non, je regardais la météo, il pleut dans 30 minutes. Ouais, dans 30 minutes la course sera terminée donc. Et la 480 de Gohan qui est dans l'herbe là, complètement à l'envers dans les S. Oui. Ça va être dur de repartir. Oh, attention. Décide de reprendre la piste, ça a l'air d'aller pour lui, difficile. Et on va remonter sur la P14 entre William Golanzan oui, et Julien Bien. C'est passé, et j'ai Gary Hobson. J'ai l'impression que Julien Bien est en pneu sec. Alors en attendant, on a P5, non. Gary Hobson à côté de Franck Nada à l'approche du premier virage. Et derrière, il y a la McLaren de Vincent Spes qui arrive comme une bombe. Et on restera derrière, côte à côte encore pour les Porsche. Il y a déjà beaucoup de voitures qui font des petites reintes dans le côté mouillé pour refroidir les pneus. Et ça va être obligatoire hein, d'aller chercher le maximum d'eau qui est présente ici. En arrière-plan, on a vu Julien Bien qui se bataillait encore avec William Gozan et qui a conforté la P13 au premier virage. Et ça a l'air de tenir pour Franck Nada. On se connaît, hein, Franck Nada, Gary Hobson. Ils ont évolué ensemble dans la même équipe sur un précédent championnat. Là qui, il y a une grosse bataille. Oh, ça glisse pour la. C'était qui? J'ai pas eu le temps de voir. Donnez c'était Antoine Dresse, je crois. 23ème position. Ça a glissé pour la BM de Antoine Dresse qui a eu un petit contact avec Mathieu Cloué. Rien d'alarmant, il a perdu deux positions pour l'instant. Ouais, on se remet derrière un copain de la RST, Nicolas Jarry. Oh, ça coupe là pour une McLaren également. Je n'ai pas vu laquelle. Sam Fischer qui vient de couper la Vaillante. Au niveau de la P19, on va faire aussi si vous constatez, cher ami, il n'y a plus trop de gerbes d'eau. Non, plus trop de gerbes d'eau, mais toujours de belles parties humides. Donc sur le freinage, ça doit encore jouer d'avoir les. Et Franck Hartmann là, qui est en bataille avec Kostinger pour la P10. Anthony Kostinger qui va essayer de récupérer sa position, qui vient de perdre face à Franck Hartmann.
Fankhartmann qui a deux voitures derrière lui. Attention au freinage des deux derniers virages. Ça prend l'intérieur pour Anthony Kostinger, bien manœuvré de sa part. Et derrière, on a également Benoît Clerc en embuscade. Oh, Nespoulos devant, en drapeau jaune. Nespoulos en travers, qui décide de... Ouh, on a failli faucher tout le monde là avec cette décision de réaccélérer, oui. Alors qu'il y a... Et ça rentre au stand pour Thomas Baranowski et Franck Nada. Non, Thomas Bar... Oh, Thiago Montino dans le mur après le dernier virage. Compliqué là de reprendre la piste pour le pilote de la numéro 2. Compliqué cette pluie. Et ça part dans tous les sens, mon ami Barbie. Hein. Et bah là, c'est Bagdad, comme on dit. P14, Damien Descanter sur l'intérieur, sur Fabien Nespoulos, les deux voitures côte à côte. Nespoulos qui peut. Non, c'était Rousquet juste devant Nespoulos, c'est Rousquet, la porte juste derrière. Nespoulos est en embuscade. Oui, Nespoulos, c'est vrai. Nespoulos. Je lui tue encore son. Oh, ça fait contact. Les trois ont failli se contact. Ça se renifle, ouais. Et Damien Descanter. Entre la Audi et la McLaren. Avec un léger câlin. Sans conséquence. Passe. Petite touchette amicale. Et ça tient bon pour le pilote Damien Descanter. Ouais. Et derrière, on a Benoît Clerc là qui est à l'attaque de Franck Hartmann qui est en 8ème position. Franck Hartmann. Ouais, cette Ferrari. Dégage l'impression sur l'avant de la Ferrari. Qui s'est créé son petit bonhomme de chemin là sous la pluie. On a l'air de bien s'en sortir. Cher ami, j'ai une question à vous poser. Dites-moi tout. Vous seriez parti en sec ou en pluie ? En pluie. Je pense que je l'aurais fait en sec, personnellement. Je serais parti en pluie, et là on voit la Vaillante qui est partie au large et qui va perdre quelques positions. 3 sur Loïc Lénitry, Sébastien Gatt, Kézitem à la P27. Ouais. Et Hervé Boutin qui pourrait peut-être en profiter. J'ai eu William Gauzan aussi à la P11 là, qui est à l'affût sur Julien Billin. La Bentley qui va essayer de récupérer la position sur la Porsche dans cette grande ligne droite des stands. On avait un côte à côte de RST, BMM6 et Audi. On va pouvoir revenir sur William Gauzan. Ouais. Et là, ça roule beaucoup hein, dans l'herbe, ça se voit. Toutes les voitures qui se mettent dans l'herbe, dans l'eau. Vous avez pensé à Racing, mon ami? Oui, c'est ça, exactement. Fabien Nespoulos qui rentre au stand également. Ouais, je pense que là, le bon call, c'était le passage en slick, effectivement. Et oui, la piste qui commence vraiment à être bien sèche, là on le voit sur cette caméra, encore un peu d'humidité mais sans plus. Et là on va voir les différences de pneumatiques. Donc attention, hein, du côté de Brice Montérémar, on avait l'information qu'il était parti pour l'instant Brice Montérémar en pneu sec, qui est 2 dixièmes plus lent seulement que Arnaud Mander sur le dernier tour et qui lui est en pneu pluie. Donc ça peut jouer beaucoup de choses. Par contre, il y a 1 seconde 2 à aller chercher pour David Neyoz, mais ça peut très très rapidement se remonter. Ouais, et là on a encore une bataille autour de Julien Bien avec 4 voitures, oui, celle de Benoît Clerc, William Gauzan, Eric Diaboloum pour la P9. Et ils reviennent doucement sur Franck Hartmann. Alors est-ce que cette grosse bataille pourrait lui profiter à Franck Hartmann? On verra un peu, mais en tout cas ça attaque sur Julien Bien là du côté de William Gauzan. Et le soleil qui pointe le bout de son nez, ça va sécher encore plus vite. Oh, ça part large, ça va taper le mur pour la Bentley et la BMW. Oh, il va y avoir de bons dégâts. Et ouais, ça part un peu large. Et derrière, Eric Diaboloum qui est là en train de dire je fais comment moi? Oh, ça rentre au stand. Ça rentre au stand ouais. Pour 3 voitures, Julien Bien, William Gauzan, ouais, c'est ça. Et Eric Diaboloum rentre au stand. Benoît Clerc qui a eu un gros contact, continue sa route. Et il semblerait hein, que ceux qui sont partis en pneu pluie décident de rentrer. Hein. Bah, c'est le cas hein, depuis tout à l'heure, on les voit tous, on voit toutes ces voitures qui rentrent petit à petit au stand. Je pense qu'à la tête de course, il va pas falloir rentrer parce que ça va se jouer à pas grand chose malheureusement. Le bon call, c'était de mettre des pneus slick. Pour l'instant, sur le dernier tour, c'est payant pour Brice Montérémar qui a fait pratiquement le même temps sur le dernier tour que David Neyoz et qui est presque 1 seconde plus rapide que Arnaud Mander. Ouais, on va voir après. Arnaud Mander et David Neyoz sont des pilotes qui peuvent utiliser leurs pneus. On sait qu'ils sont capables de faire des merveilles avec leur voiture. Voilà, qui savent utiliser des pneus qui ne sont pas prévus pour ça. Pas adéquat. Voilà, c'est ça. Et donc on va voir. P20, il y a une petite bataille entre 3 voitures, cher ami. On va voir comment ça se goupille toute cette histoire. Ouh, la Vaillante qui part là. Oui, Vaillante qui va. Et puis là dans l'herbe,
Et Gohan qui vient de se faire dépasser par Brock. Brock qui est passé en pneu slick mais qui touche le double contact pour les deux pilotes. Aïe, dommage avec Hervé Boutin. Ouais, sur la glissade des deux pilotes qui se touchent. Qui est en pneu pluie. Brock qui est en pneu slick. Et Quentin Dragon qui est revenu. Ah ouais, sur, qui est revenu sur la voiture de Vincent Spice. Rentre au stand d'Anthony Costinger. Du côté de Spice, on essaie de casser l'aspiration de cette Aston Martin. Et là, vous voulez encore un chrono. On a le meilleur tour en course pour Brice Monterrema en 1:40.822. C'est une seconde plus rapide qu'Arno Mander et 7 dixièmes plus rapide que David Neyoz. Et ouais, ça va commencer à tomber les chronos. On va voir un peu, mais beaucoup décident de pit. Et là, ça va jouer pour les 20 dernières minutes à comment cramer des pneus pluie ça, tout pour à fait. Arno Mander, David Neyoz. Bah on l'a vu la semaine dernière, 18 minutes. Est-ce que ça va pas être trop pour rester en pneu pluie? Est-ce que la crevaison ne serait pas inévitable pour tant de temps sur une piste sèche? Ouais, bah, il va falloir gérer hein, parce que si on va faire un drift, c'est sûr qu'on va avoir la crevaison derrière. On l'a vu que la plupart des crevaisons qu'on avait avaient lieu sur des plats ou des drifts des 360 des voitures avec des pneus à surpression. Mais on verra bien s'ils arrivent à les tenir. Certains en sont capables. Oui. Attention du côté de Vincent Spice. P9, on a une bataille. Damien Descanter qui essaye de défendre sur Rousquet. Quentin Dragon aussi hein, effectivement qui veut aller chercher la P5. Voilà, Jarry également sur la P11. Spice, Sébastien Gatt qui récupère la P15. Puis bataille à 3 pour la P15 là. Oh, l'erreur de Vincent Spice. L'erreur de Vincent Spice et David Neyoz rentre au stand. David Neyoz rentre au stand, messieurs dames. Elle est au stand cette 986. C'est plus rapide le dernier tour pour Brice Monterrema sur Arno Mander. Ça va fondre très très vite. Et là, sauf 4 forces majeures, on peut d'ores et déjà assurer une victoire d'une certaine voiture qui sera la P1. Mais on le saura que dans 17 minutes, puisque je ne veux porter le mauvais œil sur personne. C'est ça, Franck Hartmann hein, qui est en 4ème position pour le moment. Il est en pluie ou en sec, Franck Hartmann? Il est en pluie, Franck Hartmann. Ok, bah ça a l'air, oui, c'est vrai, c'est une 45, je viens de voir les chronos. À voir, peut-être rentrer hein, pour éviter de ensuite se faire manger. À voir les stratégies qui ont été décidées, mais on le voit à l'image, hein, Brice Monterrema qui arrive là, il y a l'Audi du VDK entre les deux, et Arno Mander qui va devoir tout faire pour tenir ses pneus. Derrière, il me semble que la 35 est en slick, hein, on est passé par les stands. Quentin Dragon? Non, la 35 c'est qui? Non, c'est une team VDK d'Audi. L'Audi, drapeau bleu, mais qui, voilà, qui a l'air d'envoyer, donc je pense qu'on est en slick. Et Sam Fischer qui vient de prendre la position sur Sébastien Gatt. Et regardez qui est dans le rétroviseur de Arno Mander là sur le freinage, dans le dernier virage. Et Brice Monterrema qui arrive et qui a fait le bon choix. Et Arno Mander qui continue. Ouais, on continue. Ah, quitte à cramer les pneus, je pense qu'on a dit on va y aller au bout. Les pneus doivent être bien rouges écarlates, il va falloir défendre comme jamais. Quentin Dragon est au stand. Allez, à l'image, on va se décaler, on va peut-être venir au freinage. On sait qu'on peut freiner un peu plus tard et c'est en train de passer pour Brice Monterrema qui est en train de prendre la tête de cette course. Arno Mander qui ne peut rien faire avec ses pneus pluie. La bonne opération de la 220 qui là met un gros billet sur une victoire ce soir sur cette manche en tout cas. Est-ce que Yuli est toujours là? Est-ce qu'il serait parti en slick lui? Sûrement. Possible. À 100%. Mais c'est bien, il faut tenter des choses et Arno Mander va avoir fort à faire là ici. Ouh, attention, ça glisse pour la voiture d'Arno Mander, les pneus doivent être horribles à gérer. Oh oui, je veux même pas savoir combien il fait sur le Franck Hartmann, sur le bord de ses pneus et sur le podium. Alors ne parlons pas trop vite, mais c'est vrai. Sur le podium avec Rousquet qui P1 le suit. Amateur, P3 général, c'est facile. Ben regardez moi tous les amateurs là qui sont en P3, P4, P5, P6, aucun veut lâcher. Et je ne sais pas si tu es... Oh, c'est parti large derrière, j'ai l'impression, pour l'une des voitures. J'ai entendu du sable.
ma formation, pour qui, dites-moi. Je ne sais pas, c'était derrière... Oh, on a Damien Descanteurs qui est apparemment en contact avec la voiture de Benoît Clerc en P24, P25. Est-ce que vous voulez une information? Franck Hartmann va perdre sa P3. Puisque Rousquet est à son cul avec des pneus slick. Ah, Rousquet qui est parti en pneus slick du coup. Et ce sera la belle opération Beslap pour Anthony Kossinger qui est passé par les stands tout à l'heure pour changer de pneus. Tout à fait. Et ça passe. C'est en train de passer. Récupéré par Brice Monterremar. Ouais, Brice qui est en train de prendre l'arche. Déjà 6 secondes d'avance sur Arnaud Mander. En un tour, ça m'étonne même pas. Ça m'étonne même pas. Dernier tour en 38-480 pour Brice Monterremar. Arnaud Mander en difficilement une 44-8. Pour Franck Hartmann. Rentre au stand. Oh, attention, autour de la P5, c'est parti large, c'est un peu la guerre. Il y a des polystyrènes un peu partout. Des drapeaux bleus dans des drapeaux bleus. C'est pas facile. La bagarre entre Mario et Loïc Tenitri, côte à côte. Deux petits coups de portière ont déjà été donnés. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Mais ça a l'air de passer pour Mario sur la P5. On va voir au freinage si ça tient. Franck Hartmann qui va logiquement perdre pas mal de positions avec cet arrêt au stand. Et du côté de la Stone, au freinage, on va pouvoir y aller. McLaren qui voudrait tenter et qui va venir catapulter la voiture de Mario qui n'avait rien demandé. Aïe, 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 Gérard Lambin là qui vient assassiner la voiture de Mario. Et là, cette voiture, elle a pris un sacré choc sur l'arrière. On espère que ça ira pour les 13 dernières minutes. Et merci WinWest, bonsoir à toi pour ton resubscribe. Et meilleur tour en course pour David Neyoz à la 11e position en 1:37.427. Une seconde plus rapide que Brice Monterremar, mais je pense que ça ne suffira pas pour remonter à cette P1. Ouais, il y a pas mal d'écart tout de même, mais ça va permettre de remonter fort dans le top 10, je pense, si on garde ce rythme du côté du pilote. Gérard Lambin qui perd beaucoup de positions là, qui se retrouve P16 malheureusement, P17 maintenant. Oui, bah après c'était logique avec cet arrêt au stand. Par contre, mon ami Barbie autour de la P8, ça chauffe entre entre Gohan. Mais non, parce que c'est pas des gens dans le même tour derrière Gohan. Et affirmatif. Ah, si, non, c'est Brock, j'ai rien dit. Brock et Zitem qui sont là. Et Brock qui est parti en pneu slick et pour l'instant c'est payant. Brock, il fait une belle, Belle P9 amateur, là, pour l'instant. P9 au général. Oh, attention, j'ai Gohan qui fait des choses étranges. Je ne sais pas pour vous, mon ami Barbie. Oui, c'est normal, le ping est rouge. Oui, et bien là, il a été mettre une petite claque à Gérard Lambin qui n'a rien demandé. Et elle fait peur, cette Ferrari là. Ça dissuade, c'est normal. Ah, bah là, c'est sûr que moi j'ai ça à côté de moi. Je garde un peu mes distances. C'est une technique comme une autre pour gagner des positions. On ne sait pas parler de technique sur ce genre de choses. Rouler en branchant le câble réseau. Antoine Drez pour la P19 qui plonge intérieur sur Eric Diabloum. Eric Diabloum qui ne peut pas défendre ici. Ça passe pour le pilote de la BMW. Et en parlant de pilote de BMW M6, Davinios qui remet un clou sur le best lap. À savoir que les pilotes de la P1 à la P10 n'ont pas fait d'arrêt au stand et que je pense sont partis en pneus slick, peut-être pas pour Gérard Lambin qui est en 1:49 et même pour Mario en 1:47. Je vous dis ça tout de suite, Gérard Lambin est en pneu pluie. Affirmatif, voilà. Et moi, dit qui ça, Mario, c'est ça? Mario, oui, qui était une 47 sur le dernier tour. Mario est en pneus slick, mais il a eu voilà. Un contact, souvenez-vous. C'est ça. Arnaud Mander est l'un des derniers pilotes dans le top 10 à être avec des pneus pluie qui doivent être d'un rouge écarlate, mes amis. Je n'ose même pas savoir. Ah, c'est les choses qui arrivent, Milouz Van Houten, le mieux ce sera que Gérard aille le voir directement avec Mario. Mais c'est vrai que c'était assez violent, cette démonstration d'amour de la part de Gérard. Mais bon, c'est arrivé à tout le monde au moins une fois dans sa vie. Après 20 ans de réclusion, il a pris cher. Calmez-vous. Allez, en tout cas, c'est gentleman de s'excuser, c'est ce qu'il faut faire. Après voilà, on sait que ça n'a pas été voulu, hein. C'est pas Gérard Lambin n'est pas un pilote qu'on décrit d'assassin. Une erreur est vite arrivée. 42 PSI, waouh. Ça va péter dans pas longtemps.
On va peut-être avoir des crevaisons, mais un qui ne risque pas de crever pour le moment, c'est Quentin Dragon là qui est à la chasse de Anthony Kostinger. La Mercedes et l'Aston pour la P15, P14 qui vont en débattre là sur le freinage. Attention, on a vu pas mal de bêtises ici. On va se décaler sur la droite pour empêcher de prendre trop large la Mercedes. Peut-être repiquer pour l'Aston. La Mercedes qui tient bien. Pour le moment, on revient sur un retardataire qui va prendre large, l'Audi. Oui, Sébastien Gatt qui sécurise la course de cette bataille. Sam Fischer aussi en P5 là, dans les fesses de Loïc Tenitri, ainsi que Gohan à l'assaut sur Mario. Ouais, pour la P6, et David Neyos qui récupère la P10 sur Kesitem. Et bah son homologue Quentin Dragon est en train de faire l'effort sur le bout de ligne droite au freinage, ça devrait tenir pour Anthony Kostinger. Il devrait y aller sur Sam Fischer, la P5 là, ça se bataille vraiment. C'est en train de remonter fort. Foutez de ma gueule, ils étaient plus près ceux que je regardais. Ah ben allez, démerdez-vous. Et ça passe pour Brock. Et sur Brock, Gohan. Ouais, qui prend la P, qui prend la P7. Bien joué. Ça passe, Gohan qui allait en difficulté. Brock, Sam Fischer au coup d'à-coup avec le Tenitri au freinage, attention. Le freinage du dernier virage, ça prend large, ça prenne large pour le Tenitri. Oh dommage, il se loupe aussi du côté de Sam Fischer, c'est dommage. Let's go la vaillante. Dis-toi que c'est une leader. Pète-lui en tulle. Non, doucement. Barbie, doucement. Ah, Loïc Tenitri qui part à la faute, et dommage, Sam Fischer qui l'accompagne à la faute et qui peut pas profiter. Mais là, on va peut-être pouvoir profiter de l'aspiration. Mais bon, la M4 a quand même de quoi donner Anthony en ligne droite. Kostinger et Quentin Dragon là, pourquoi vous n'êtes pas dessus, Jérémy? Une bataille, ça se touche entre les deux. Ouh, et oui, ça part en drift pour Quentin Dragon. Quentin Dragon qui part en drift là, ici, qui va reprendre la piste. Oh, attention, on se retrouve en piste bien incisif, juste devant le nez de la McLaren. Et Quentin Dragon qui va être remonté pour retourner sur Anthony Kostinger et réclamer cette position. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Vincent Spice là, sur Quentin Dragon. Ouh, Sébastien Gatt qui s'est fait une frayeur. Ouf. Et du coup, belle esquive de la part des deux pilotes, mais Vincent Spice qui n'en déborde pas, qui va essayer de récupérer cette P15, peut-être récupérer 5 petits dixièmes pour aller à la bataille avec Quentin Dragon. Voilà, en attendant devant, toujours Sam Fischer qui revient sur Loïc Tenitri. Ça s'est relâché un petit peu là entre les deux. Et Brice Monterremar qui met un gros un boulevard, pied sur on appelle ça un boulevard, cher ami. Sur la victoire, là, 33 secondes d'avance sur Arnaud Mander, mais Arnaud Mander qui tient bon à Rousquet, hein, puisque on a encore 5 secondes d'avance, mais il reste 7 minutes. Arnaud Mander qui pourrait peut-être conserver ce podium. C'est 4 secondes plus lent autour pour Arnaud Mander quand même, hein, donc on va peut-être tenter la défense pour Rousquet. On va peut-être tenter une grosse défense de la part du pilote Sam de Ferrari. Fischer, là, sur Loïc Tenitri, attention, ils ne se feront pas avoir sur le virage, attention. Retardataire de ne pas revenir trop brusquement sur la piste, c'est très bien joué de sa part. C'était qui d'ailleurs cette Honda, la 88 C'est la Honda Luke Skyplayer, c'est si Luke Skyplayer, tout à fait. Et Kesitem avec Gérard Lambin pour la P11. Pour la P10, pardon. Kesitem qui prend l'intérieur sur Gérard Lambin, attention au freinage. Dans les petites boulettes, ça passe pour Kesitem un petit peu large, mais ça a l'air d'être validé. La piste est en verte. Grosse pluie prévue dans 30 minutes, mais nous serons déjà tous à l'abri en train de siroter notre champagne. Brock et Marion qui se sont échangés les positions sur la ligne droite là, et ça a été concrétisé. Il est chaud le Brock. On fire. P6 pour le moment pour le pilote de la 85 qui a vécu un enfer sur la première course. Oui, c'est vrai. Qui là se rattrape plutôt pas mal. Hein. Très belle opération, le bon de sa choix part, en tout cas. Et attention, Rousquet qui arrive sous les deux secondes d'Arnaud Mander. On va garder un œil, mais ça devrait être incisif, je pense. Même malgré tout le talent d'Arnaud Mander. Ouh, Gary Hobson qui s'est fait peur sur Frank Nada à la P13 là sur le freinage du premier virage. Et on va remonter sur Rousquet qui est en train d'arriver comme et une Quentin bombe. Dragon aussi qui est je surveille sur Anthony Kostinger. Je pense que ça devrait se faire dans les prochains virages. Attention du côté d'Arnaud Mander pour la ligne droite. Oh, ça va être très difficile. Qui est sorti. Et Marion qui récupère la P7. On force pas et pour Rousquet, Arnaud Mander. Qui vient force passer pas sur Arnaud Mander. Ouais, du côté d'Arnaud Mander, on va juste essayer de finir la course sans crever, je pense. Ouh, la voiture de Franck Hartmann. Ouais, avec Tenitri là qui a pris large encore, mais il y en a une nouvelle fois Sam Fischer qui l'a suivi. Et Franck Hartmann qui n'arrive travers pas à passer. Ah. Mon ami Barbie sur la ligne de départ. Et Thiago Montino qui est en difficulté là au ralenti aussi. Je reviens sur la bataille Quentin Dragon et Anthony Kostinger.
Ça se renifle. Ouais, round 2 entre les deux. Ça s'était terminé par un petit contact. Enfin, on a l'impression que c'était un contact, hein. Peut-être perte de position, ouais. Enfin de, ça n'a de contrôle pas ou autre. Pour un dragon, moi. C'est abusé le comment on peut cut là. Et du coup, round 2 entre l'Aston et la Mercedes. Ouais, et derrière, on a Eric Diabolo également avec Julien Billin. Bon, ça va, c'est assez loin. Allez, toujours sur cette P15, mon ami Barbie, Quentin Dragon qui fait l'effort. Gary Hobson aussi, sur Franck Nada, je surveille les deux. Allez, peut-être à l'aspiration, là on prend un peu plus large et oui, on va pas se mettre sur l'extérieur pour lui offrir l'aspiration du côté de la Mercedes. Mais l'Aston qui arrive avec beaucoup de vitesse là sur l'extérieur, on va voir au freinage. Oh, ça freine plus tard pour la Aston Martin. Ouais, est-ce que on ça va forcer à l'intérieur, intérieur. Très, très très beau freinage de la part de Quentin Dragon qui récupère cette P14. Très belle, très beau retour de bâton si je puis dire après le contact de tout à l'heure. Et ça passe et ça va tenir j'ai l'impression. Ouais, on a Gary Hobson là sur Franck Nada, attention sur l'extérieur du long virage gauche. Est-ce que ça va suffire? On a devant une Gérard voiture de la salle de Gérard Lambin. Et qui fait le double extérieur. Gary Hobson, très belle manœuvre de sa part sur le double extérieur. Et Gérard Lambin qui perd deux positions ici. Oh, je suis régalé. Et joli, on a David Neos qui fait un très très beau freinage sur Gohan pour récupérer cette B8. Ça part dans tous les sens, mes amis. Cette calmez-vous, météo. Je vous demande de vous arrêter. Cette météo qui aura joué des tours aux stratèges. Et Thiago Montino qui est redescendu à P32, hein. Compliqué ouais, pour le pilote. Difficile, très de course, très difficile 2. Pour Thiago Montino. Hervé Boutin pareil en P33 et Thomas Chagnou. Sam en P34, Fischer là, moment. Toujours à l'attaque sur Loïc Tenitri. David Neos qui s'échange les positions avec Mario, mais pour l'instant c'est ok. Gary Hobson qui vient de récupérer une position sur Kazitem également. Ouais, Franck Nada qui va en profiter également, j'ai l'impression. Absolument, Sam Fischer toujours sur Loïc Tenitri, je surveille tout. Tout va bien pour l'instant, il ne se passe pas grand chose sur cette P5. Et derrière, on a Romain Faou à la P23 qui essaye de remonter sur Benoît Clerc. Ouais, tout comme Eric Diaboloum qui est pas loin. Anthony Kossinger qui est revenu sur Gérard Lambin là, ici sur la ligne droite. Est-ce que la Mercedes pourrait prendre la P14 sur la McLaren? Au freinage, on a l'air de vouloir dire qu'on est présent. Et ça part loin pour la McLaren. Attention, Vincent Spice qui est derrière, ouais. Qui aimerait bien en profiter également. Et ça a passé là pour. Il a l'air en forme, Vincent Spice. Vincent Spice, il a l'air énervé, je pense. Ouais, Vincent Spice là qui a l'écrou et qui voudrait aller chercher la position de cette Mercedes. Kazitem en attendant qu'a perdu une position sur Quentin Dragon. Et Sam Fischer devant mon ami Barbie qui recolle encore oui, une oui, fois. Toujours, David Neos qui passe devant Brock dans le dernier virage. Enfin l'avant-dernier virage, désolé. Même pas. Ah ils sont plus loin que ça. Non, non ça, ouais, c'est cette courbe ouais, qui me c'est perturbant ouais. Et donc David Neos qui prend la position sur Brock. Et on a toujours Sam Fischer là qui a l'aspiration sur Loïc Tenitri peut-être. Et Loïc Tenitri qui est derrière Arnaud Mander. Oui. Arnaud Mander. Arnaud Mander qui est en souffrance avec ses pneus. Loïc Tenitri qui. Ouais, il reste 2 minutes à Arnaud. Est-ce qu'on pourrait défendre une P3? Est-ce qu'on pourrait profiter de la bataille de Sam Fischer et de Loïc Tenitri? Il va y avoir deux tours parce qu'on a le leader Brice Monterremar qui est actuellement dans le dernier virage. Il faut et du tenir. Coup, qui va avancer pour deux tours. Il faut tenir Arnaud. Il faut tenir ce podium. Deux tours en plus de celui-ci, pardon, pour Arnaud Mander. Parce qu'il en est qu'au début. Ah, ça va passe être à l'intérieur pour Loïc Tenitri. J'ai l'impression que c'est fait. Oh, bon, la vaillante qui vient mettre un petit coup. Ça me fait sûr j'ai l'impression peu. Qu'il y a une crevaison sur. Non. Je vous dis ça. J'ai l'impression que la roue avant droite d'Arnaud Mander est compliquée. Avant gauche plutôt, pardon. Non, elle roule, non, tout va tourne. Bien. Ok, ah ouais, j'ai eu peur. Sur le contact, j'ai cru que ça a créé un petit truc. J'ai vu la voiture d'Arnaud Mander un peu plus basse sur l'avant gauche, mais on non, souffre. Non, ça tourne, mais Arnaud Mander, ouais, c'est compliqué pour lui. Ah, c'est vraiment dommage. Ouais, David Neos qui va venir chercher aussi une position supplémentaire sur Arnaud Mander. Qui ne peut rien faire d'autre que de tenter des défenses, subir. Mais ouais, il subit. On tente même plus rien, je pense, pour un Mander, on essaie juste de finir. Ah, peut-être que l'air va refroidir les pneus, qui sait. On tente, mais en tout cas, il aura eu l'audace bien, d'essayer. Là, Gérard Lambin qui perd des positions, Julien Bien qui en récupère une. Grosse bataille entre la P17 et la P23. Bon, mon ami, P3 aussi qui est en P21. Jeu. Oui. P3 de la Vaillante, là, qui pourrait peut-être aller chercher un podium.
Et le leader qui devrait relancer pour un non, qui devrait terminer sur ce tour-là. Hein. Donc, non. Normalement non, sauf s'il ralentit. Ah il oui. Peut ralentir. Non. Ça se tente. En tout cas, on a pas mal d'avance. 40 secondes. Loïc Tenitri qui a failli perdre cette P3, mais Sam Fischer qui lâche non, pas. Ça doit le faire. Ça relâche. Oui, il a ralenti. Il a ralenti. Ouais, il est en drapeau blanc. On a sur le coup. On veut finir. On veut pas refaire un tour de plus. Et Brice Monterémar qui va venir chercher la victoire grâce à sa stratégie de partir en pneu sec qui aura été payante. Victoire pour Brice Monterémar, messieurs, ici sur cette deuxième course. On va jumper vite fait sur Sam Fischer avec Loïc Tenitri. Rousquet qui arrive bien sûr très prochainement sur cette P2. Et la P3 qui pourrait être en bataille avec David Neyos qui vient s'en mêler. Alors est-ce que David Neyos va offrir la P3 à Loïc Tenitri ou est-ce qu'il va réussir à prendre les deux? Ça va jouer à beaucoup de choses dans les derniers instants. On pense à Rousquet et on cliquera rapidement pour le voir passer cette ligne. Mais attention, David Neyos qui vient contact sur Sam Fischer. Sam Fischer qui part en drift, David Neyos qui du coup avec ça récupère la P4 mais pas sûr qu'il la tienne après la commission de course. Et Rousquet qui vient chercher une P2 ici, amateur P1 et P2 général. Loïc Tenitri qui va du coup grâce au contact entre David Neyos et Sam Fischer dans les derniers instants récupérer un podium pour la BMW numéro 972. David Neyos sera remonté à la P4 et Sam Fischer un P5, dommage pour lui. Brock, messieurs dames, qui va venir chercher une belle P6, félicitations à lui. Je pense que la Vaillante a montré son amour à David Neyos. Mario qui viendra chercher une P7. Gohan qui finira en P8. Arnaud Mander au bout du bout aura été chercher la P9. Force à lui d'avoir tenu ses pneus jusqu'au bout sans les crever. Et pour clôturer ce top 10, Gary Hobson, messieurs dames, qui vient chercher un joli petit P10 qui arrive. Eh bien, ce fut mouvementé, mon ami Barbie. Franck Nada qui vient chercher la P11 également. Pouh, que fut. Et voilà, j'ai mis à jour le classement. What the race. What the race. C'était très très compliqué là pour les pilotes cette course. Ouais. Force à eux d'avoir été jusqu'au bout. Et puis et ceux qui sont partis en sec. Avec les pneus pluie. Auront été heureux. David Neyos qui fait partie des pilotes qui étaient partis en pluie et qui est passé au stand. Et le seul à avoir été remonté dans le top 10 avec également Gary Hobson. Ceux qui sont partis en slick ont fait une très 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 belle opération ce soir. À part Gérard Lambach qui a soit fini avec les pluies. Soit il est en slick. Gérard Lambin, je vous dis ça tout de suite, mais je crois qu'il est en slick, j'avais vérifié. Les 42 PSI de Raikkonen, qui je pense ont fait. Ah non, il était en pneu pluie, du bien. Gérard Lambin. Oh, Macam qui fait des siennes. Bon alors. Gérard Lambin était en pneu slick, pluie, je sais pas si vous avez entendu. Oui, pneu pluie, j'ai cru vous entendre, mon ami Barbie. Bougez pas, je teste une petite chose. Ah voilà, la voilà de retour. Oh, la pluie qui arrive à l'instant, incroyable. La pluie qui commence à couler ici. What the fuck, cette race, c'était magnifique. Oui. J'ai beaucoup aimé. Ah oui, vraiment très, très belle course. Magnifique course, je sais pas ce que vous en avez pensé dans le chat. Ce fut une course mais magnifique, belle course. Bon, belle comme le jour, comme la nuit. Oh, vous inquiétez pas, on se fera pas un strike pour mon interprétation. Mon ami Barbie, est-ce qu'on n'irait pas voir quelques pilotes Je crée un petit channel interview comme d'habitude. Bien sûr, mon ami Barbie. À tout de suite. Le temps pour moi de parler rapidement de l'événement que l'on organise qui fait suite à un Donation Gold des 24 heures Forana. Si vous n'étiez pas là au début du live, sachez que lors des 24 heures Forana, l'année dernière, enfin, du coup, au début d'année. Et les derniers 24 heures Forana, on avait fait un événement, on était en direct du Gaming House avec plusieurs pilotes HR, etc. Et il y avait une liste de Donation Goal que vous voyez à l'image.
C'est les donations gold de l'époque. On avait récolté 1234 euros. Je crois que vous avez fait exprès de faire 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai félicitations à vous, tous les donateurs, viewers et ayant participé à cette course. On a fait le, je vous dis tout sur le projet Endurance LDLC, puisqu'on avait fait le LDLC OL Endurance Series, qui était 4 courses de 4 heures sur plusieurs mois. C'était dingue, c'était trop bien. Derrière reprise du sport et live des sessions sport, j'ai mis demi-fait parce que j'avais commencé à reprendre avec Ring Fit sur la Wii, mais j'ai dû, avec le déménagement, etc., rendre la Wii, et du coup, faut que je m'achète une Wii à moi parce qu'on me l'avait prêté, donc il manque ça. L'HCR a organisé une endurance de 24 heures, live karaoké, course d'un tour en marche arrière encore à faire, la reprise du RP, et j'organise une endurance LDLSOL de 6 heures au studio de Lyon avec une team Kama Xerak Ilius. Et bien sachez que le 12 novembre ce sera le donation goal des 6 heures qui va être validé. On sera sur ma chaîne en direct, par contre on sera au loco LDLCOL s'il vous plaît, qui vont nous prêter leur studio et compagnie. Une course qui commencera à 14h le samedi 12 novembre. Les inscriptions vont incessamment sous peu ouvrir. Vous avez quelques informations sur le Discord. Le reste des informations va vraiment arriver cette semaine. Je suis revenu de vacances juste là, donc un peu pressé par le temps, etc. Donc on n'oublie pas, 6 heures, ce sera vraiment une course ouverte à tous parce que c'est une course où c'est un donation goal qui fait issue à un événement caritatif, faut vraiment venir dans le bon esprit, c'est ouvert à tous. Premier inscrit, premier participant, donc on a 50 places qu'on pourra peut-être étendre un peu, mais 50 places, si vous vous inscrivez dans les 50 premiers, vous êtes sûr de participer, il y aura une préqualification qui servira juste pour la grille, c'est pas parce que voilà, vous serez plus lent que des mecs qui sont sur liste d'attente que vous allez passer en liste d'attente, non, c'est premier inscrit. Tu participes. Donc, quand les inscriptions ouvriront, je vous invite à vous inscrire. Il y aura le cast sur place à LDLCOL. On vous en dira un peu plus dans les jours qui suivent. Il y aura une partie de la commission de course sur place. Pareil, on vous en dira un peu plus. Il y aura moi et Kamak sur place avec un autre streamer. Xerak à distance. Un autre streamer à distance. Donc on va vous dévoiler les équipages et compagnie au fur et à mesure des jours qui suivent. Mais du coup, c'est ouvert à vous tous. Donc venez passer un petit 6 heures avec nous, histoire de fêter ce donation goal et de se faire plaisir une après-midi sur une petite endurance qui sera, à ma foi, pépite en termes de diffusion, puisque bah, franchement, sur le même lieu, on aura la commission de course, quelques équipages, le cast, un cast mobile qui pourra aller là où il y a les équipages, etc. Donc, franchement, venez, ça va être une tuerie. Et si ça marche bien, on pourra espérer un plus gros événement. Parce que je vous le rappelle, dans les Donation Goals, j'avais un 24 heures également à organiser. Donc ça, on verra un peu plus tard. Il y a tout un tas d'endurance qui est déjà en place. Il faut qu'on se trouve une place dans le planning. Mais il y aura tout ça à faire. Il y aura, vous le voyez, Raidion, qui est le partenaire déjà de la chaîne depuis quelques semaines. Vous pouvez taper point d'exclamation Raidion. Il sera le sponsor majeur de cet événement. Et pareil, du côté de Raidion, je vous en dirai un peu plus sur le... qu'est-ce que ça veut dire qu'il sera le sponsor majeur. Et ça devrait vous plaire, je pense. Donc, soyez à l'affût des news sur les réseaux sociaux. Tapez point d'exclamation Ilius pour tomber sur tous les réseaux sociaux. Et on va vite retrouver les pilotes qui nous attendent depuis tout à l'heure, je suis désolé, on va tout de suite récupérer. Oui, il arrive. Désolé, ça va. Voilà. Comment tu vas, Gary? Salut, lui, ça va? Bah, ça va. Un peu mieux la deuxième. Ouais. Moi, je suis content de ma course en règle générale, hein, course 1, course 2, ça va. Mais je suis super content de voir les amateurs dans le top 10 là. Ils ont fait carton plein là. C'était magnifique. Je suis super content pour eux. Donc moi, en gros, je m'en fiche pas de mon résultat. Mais ouais, quand je vois Brock, quand je vois Rousquet en P2, c'est un truc de malade, quoi. Ouais, ils vont faire leur premier podium, etc. Et ça fait super plaisir. Et ils vont mettre une belle avance sur leur... Enfin, rattraper ou mettre des gros points pour leur classement en catégorie. Et c'est cool. Ouais, je suis super content pour eux. Sinon, après la course dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Hein. C'est surprise avec la pluie, hein, toujours. Oui, et cette pluie qui était mes pépites, là, la bonne pluie pour bien rendre humide, et au bout de 10 minutes, la piste sèche. Donc il fallait faire un choix, souffrir 10 minutes ou tenter le pit, etc. C'était tendu.
Ouais, il fallait partir en slick, hein. C'était vraiment le truc à faire, quoi. Ouais, malgré ça, tu fais quand même une P10, hein. T'as fait un arrow stand et Ouais. t'es dans les premiers. Enfin, on va dire, si on coupe la course en deux, entre ceux qui n'ont pas fait d'arrêt, parmi ceux qui ont fait des arrêts, tu finis P2. Ah, c'est bien. J'ai Voilà. pas vu ça comme ça. Ouais, c'est cool. Devant toi, c'est David Neyoz. Mais parmi tous ceux qui ont fait un arrêt, tu es le P2. Ah, Si mais tu c'est retires tous bien. ceux qui ont Bon. fait d'arrêt. Donc, J'ai une pas belle trop course. perdu. Ouais, c'est sympa. Ouais, je suis bien. Eh ben, je suis content. Bah, merci encore pour le stream. C'était super cool de vous écouter là pendant les deux courses. Ah ben nous on a kiffé, hein. Franchement, surtout la deuxième en Ouais. plus. La première était sympa tout de même, mais la deuxième, mama, c'était Ouais. partout. Il s'est passé plein de trucs, c'était sympa. C'est ça. Ouais. Non mais félicitations en tout cas encore à toi. Et puis du Ben, coup les merci, contacts ouais. sur la deuxième, la Ah, il y en première a bon, il y en 28 a. il me semble. Ouais, et la deuxième, 54. Bon, 54. il y en a pas mal. Il y a un peu de boulot sur la deuxième. Oui, bon, il y a eu quelques bisous, tu verras bien, mais il n'y a pas Ouais. eu de truc vraiment méchant. On a eu des petits loupés au freinage qu'on fait des bisous aux fesses et catapultes et contact sur contact, mais Ça arrive, c'est ça comme ça. arrive, voilà. Bah écoute, du coup, la prochaine de notre côté, c'est. Je reprends le Le calendrier. 6. Alors, ouais, Il c'est est là. prévu le 6. Alors, je sais pas si vous avez vu le vote là. Ah J'ai oui, lancé. tu m'en as parlé. J'ai oublié de te répondre, j'étais en vacances, je J'en crois. ai Oh, parlé, mais je t'ai rien dit en plus. oh, Je t'ai pour pas l'instant, c'est répondu, pas je suis désolé. validé. Sache que moi, il n'y a pas de problème. Ouais, ok. Et Mais pour pourtant, l'instant. j'ai pas suivi du coup. Normalement, ce serait pour enchaîner, en fait. Ce serait le 23. La semaine 23. prochaine, ok. C'est ça. Bah ouais, bah ouais, c'est ça. Bah Ah, mais ouais, si, donc il faut que attends, ça. même si ça a peut-être posé problème. Ah non, mais même là, tu vois, j'ai pas tous les votes, donc on va annuler, hein, tant pis. Ouais, si ça se fait Oui. le 23, ce sera soit sans moi, soit comme la dernière fois, Barbie qui Non, prend mais même, le lead. j'avais dit 35 pilotes vote positif, et là, j'en ai que 31, donc tant pis, on va laisser la date classique, hein, mais bon, on partira un petit peu plus tard avec les 6 heures, avec vos 6 heures. Non, mais après, vois nos 6 heures, c'est nos 6 heures qui Ouais. grimpent sur toi? Le 6... bah, non, mais bon, c'est le 6. Et vous sortez. Ah, Vous c'est les sortez 6 heures du 6 heures. Nord de Ouais. la PRB. Ouais, c'est ça. Oui, je croyais que tu parlais des 6 heures de nous, Monza, le 12. Non, non, non. Non, Ouais. j'ai fait attention. Non, c'est sur la PRB. Bon, voilà, ça va. Ouais. Voilà. D'accord. Bon, écoute, on verra bien. Après, si tu mets le Ouais. 23, c'est moi, c'est pas grave, c'est Barbie qui prend, quoi, c'est tout. Hein. C'est De toute façon, enfin, ça n'a pas Barbie été sait faire aussi. validé. Hein. Ouais. Voilà, ça. Non, moi, je Bon. sais pas faire. On va laisser aussi ça, c'est pas grave. Ça marche, pas de soucis, tiens-nous au jus. Bah en tout cas, merci encore à vous, hein, c'était vraiment cool. Et puis bah, je Merci. laisse la main avec. Il n'y a personne. Bon, on va rester un Bah, peu. ils étaient au-dessus, je crois. Il y avait du monde, non? Ou pas, Barbie, parmi. Non, non, Laisse-moi éteindre. non. Non, Bon, Rousse. on a des tout nouveaux. Ah, Rousquet, il vient jamais. Je crois que je l'ai jamais entendu parler. Ah ouais? Bah, j'ai tag tout le monde, donc ils Lolo79, viendront ceux qui veulent venir. c'est Rousquet, non? Lolo972? Ah, c'est Non, Arnaud. c'est Tenitri. Tenitri? Ah oui, Tenitri, putain, mal avec les pseudos Twitch, les pseudos machin. Il peut pas passer car boulot demain à 5h, donc dommage pour son premier podium. Bah, si tu nous entends, félicitations pour toi, pour ton joli podium, pour cette belle P3 qui aura été chaude parce que David Neyoz a failli venir piquer cette P3. Après, il y a eu couac voilà, avec Sam Fisher, à savoir qui a touché qui s'est décalé, je ne sais pas trop. Sur le moment de l'action, on a l'impression que ça vient de Neyoz, mais peut-être que Sam Fisher s'est décalé. Je pense que tu l'auras dans tes contacts. À voir. Ouais, je l'ai vu en direct parce que je vous regardais à ce moment-là. Et c'est vrai que ça s'est passé vite, donc je pourrais pas dire. Ouais, ou non plus, je sais pas, on verra. Pourrais J'ai pas vu que dire. David, il voulait venir me voir, donc je vais aller le Ok, voir. d'accord. Pas de souci. Bah du coup, sur la première course, on a vu Draz, Morcan, Mander. Bah ça tombe bien, on a Arnaud dans le chat, si je dis pas de bêtises. Il est même là, hein. Eh ben voilà, oui, mais c'est ce que je parlais ouais, dans le vocal. Coucou Raiko! J'ai envie de me gifler. Hey, Raiko, laisse-moi deviner, t'as hésité à mettre les slicks, c'est ça? Ouais, trop peur au départ avec les autres à côté. T'as un Elle délire est la avec les boule. pneus rouge écarlate, t'as adoré ça la dernière fois, tu t'es Ouais, c'est abonné? parce que la couleur rouge de ma Ferrari me manque, du coup. Ah, ce qui me semblait. Demande un changement de livrée là, parce que là ça devient obsessionnel. Non, mais belle première course, une P3 avec un Morcan qui est venu te chercher et un Dresque Ouais, qui a ouais. été difficile à aller chercher. Tu peux nous en redire un peu plus?
Bah, le rythme de la BM, c'est les relances pour la ligne droite. Hein, c'est bah, tu peux rien faire, hein, en fait. Ouais, Surtout avec les relances de la Ferrari maintenant, c'est pas jouable. Mais bon, en tout bien cas, amusé et tout, et bien défendu sur Baranowski. Oui, à la fin, t'étais escorté par la VDK pour la fin de course. Et oui. Bah, j'ai bien aimé la tentative de dépassement, et puis j'y réplique juste après, et ça s'est bien passé, donc c'était cool. Mais en tout cas, tu nous as fait deux grosses qualifs, puisque la première, P2, oui. 5 centièmes, et la deuxième, 7 centièmes, un truc genre. Je dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Mais vraiment top. Mais j'adore, moi, les circuits F1 anciens, même. J'adore. Mais en tout cas, sur Indiana, on a vu que tu avais peut-être bien bossé. Il y a eu de la prépa sur le circuit, là, pour le coup, sur celui-ci. Ouais, quand même, beaucoup plus, oui. Ouais, ça s'est senti. On t'a vu vraiment au rendez-vous. Dommage pour ce choix de pneumatique. Et ouais. On en a vu pas mal. Bah, du coup, tu as été un des rares à aller au bout du bout de ton idée de faire du pneu pluie. Neyoz, lui, est rentré et a failli reprendre un podium. Est-ce que tu penses que tu aurais été mieux à faire ça? Ouais, j'aurais peut-être dû rentrer, mais quand il reste à les 15 minutes, tu te dis, bah, tant pis, quoi, tu vois. Ouais, bah, surtout qu'à 2 minutes de la fin, t'étais encore P3. Et après, ouais. Bah, ça a été dégringolade. Les gens là, j'avais de toute façon les écarts, puisqu'il y avait les copains avec moi en vocal, comme Brock était juste derrière, il me disait les gaps. Ouais, bah oui. Mais aïe, bon. Aïe. Bon, bah, un peu de regret sur la deuxième, on aurait pu faire un pareil que... Ouais, mais ça va, j'ai quand marre, même... Mais bon. J'ai quand même sauvé les points qu'il pouvait, quoi. T'as tenté des choses et nous on a pris beaucoup de plaisir à devoir tenter ça. Et ah, mais j'y allais pépère. Hein. Oui, on vraiment, a vu je me décalais, je laissais passer en mode vas-y. Je faisais des appels de phare pour lui dire merci. Je l'ai vu sur l'attaque de Bronze Metrimar. Au début, je me suis dit, bon, il va peut-être essayer de défendre pour faire perdre du temps. Non, non. Et je t'ai vu écarté au premier virage. J'ai fait bon, il va finir la course comme il peut. Il va y aller au bout, je pense. C'est ça. Non mais franchement, et belle course de ta part, et puis bah joli podium pour la première, et dommage pour la deuxième, mais il y a pire. Il y a pire. Bah tu vas marquer quand même de bons points ce soir. Ouais, je suis content, parce que ça me laisse, ça me fait rester dans le top 6 comme je voulais, donc c'est parfait, cool. Alors si l'objectif est là, on va pas chercher plus loin, hein, c'est déjà très 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 bien. Et puis bah du coup comment tu sens le retour à Watkins mais en version endurance? Bah là ça ira, comme je vais m'entraîner un peu plus aussi que la première fois, donc j'espère me battre encore avec Brice et Johan. Ouais, ça marche. Et tu le sens bien, cool. Le circuit de Watkins Glen là déjà? Ouais, j'adore. T'adores? Il est vraiment bien. Ouais, ouais. On te trouvera au rendez-vous des qualifs et de la course alors? J'espère. Eh ben normalement. C'est tout le mal après qu'on te souhaite. Ouais, oublie pas, t'as le nerf entre deux. Ouais, mais t'inquiète. Hein. Et après, oublie pas, t'as un Monza à 6h le 12 novembre. C'est quand même moi qui fais le départ, donc moi j'ai après 4h de repos, tu vois. Donc, le mec qui... C'est les autres qui vont chier. Le mec qui recrute. Ah, t'as 6h le 12 novembre, Raiko. T'inquiète pas, c'est déjà prévu. Il y a déjà l'équipage, t'es déjà au courant. C'est donc, parfait, parfait, let's go. Ça roule. On fait comme ça. On va te laisser tranquille, Raiko. Puis on va. Il me semble qu'il y a Antoine Dresse qui est arrivé entre temps. Ouais. Et du coup, ben, Raiko, félicitations encore. Si t'as un petit mot à passer, hésite pas. Et sinon, on te laisse aller te reposer. Et félicitations encore. Ben, le mot de la fin, c'est toujours l'amusement. Hein. Je m'amuse toujours autant ici. Donc, tranquillou. C'est ce qu'il faut. Allez, ça marche. Fais des bisous. Bisous. C'était Arnaud Mander qui nous avait fait une belle P3 sur la première manche et la deuxième course, c'était une P9 je crois après avoir tenu ses pneus pluie au bout du bout. Et on accueille Antoine Dresse, si je dis pas de bêtises, qui nous a fait une belle P1 à la première course et qui sur la deuxième course, par contre, je n'ai plus ton résultat final. On va juste parler de la course 1 au pire. Ça a l'air de t'arranger, je suis pas sûr, mais ça a l'air de t'arranger. Course 2, je finis 15e, je crois. Bon, on va déjà parler de la course 1 avec cette victoire. Félicitations, bravo. La RST qui s'échange les victoires après Quentin Dragon la semaine dernière et puis dans les premières manches, David Neyoz. Tu reprends la voie de la victoire, du podium. Raconte-nous un peu ta course. Oh bah, la première course, ça va aller vite. la BM sur le sec, hein, c'était royal. Et la pole, j'étais pas sûr parce qu'en qualif, c'est vrai que c'est toujours un peu plus compliqué, mais en course, en tout cas, j'ai pas eu l'impression de forcer. Hein. Je savais que j'étais un peu plus rapide sur les premiers tours. Je me suis dit, bon, je vais rester dans ce rythme là
et ça se passera bien. Ouais, en fait, j'ai vu un moment que ça s'est battu un peu derrière. Je bon, bah, nickel. Hein. Faites, oui, bah, après, t'as mis la coudoir et puis c'était parti, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Oui, la qualif qui s'est joué pas à grand chose. Hein, 500ème. Raiko était vraiment pas très loin de toi et a pas pu aller te chercher. Donc, bah, tu fais la totale sur la première manche. Donc, félicitations. T'as des infos de Davinéos un peu en dessous sur la première manche? Il y a eu un petit contact interresté première manche. Ah, c'est l'amour. La classique. Et ouais, du coup, il y a eu un spin et des dégâts, donc bah, le temps de remonter. Quoi. Je crois qu'il finit quand même cinquième. Il me semble, ouais, il doit faire une belle position tout de même. Mais ouais, le départ était compliqué. Bon, puis la qualif, il s'est loupé. Quoi. Donc, d'accord. Voilà. Bon, en tout cas, sur ce championnat, tu sembles prendre un peu plus d'avantage que David, que par rapport à l'ancien championnat où on vous avait vu évoluer tous les deux. CM6 que vous maîtrisez bien, puisque bah, la deuxième course, bon, elle a été compliquée, mais David Neos a montré que ça marchait bien quand même aussi, puisqu'il est remonté presque à aller chercher un podium. Ta deuxième course sur pluie, c'est que ça a été quoi tes choix? Enfin, sur un départ pluie. Moi, je suis parti en pluie. Au début, on s'est dit pluie et on tient toute la course. Après, on a vu le départ, on a dit ok, bon, on va pit. Ouais. Et on a pit un peu avant la 15e minute, je crois. Ouais, vous avez été... Et bon, c'était pas forcément la bonne strat parce que devant, je crois qu'il y en a qui ont gardé les pluies, il y en a qui ont gardé les secs dès le début, il me semble. Oui, c'est ça. Dès le début, il y a eu des pluies, des secs. Finalement, quasiment tout le monde a changé ses pluies sauf Raiko, Arnaud Mander et une McLaren, je crois, qui a fini dans les. Je sais plus quelle position, qui est descendu bien bas. Mais ouais, après dans le top 10, c'est que des gens qui sont partis en sec. À part Raiko, Arnaud Mander qui était la pneu pluie, la seule. Après bah, derrière, tout le monde a fait un arrêt au stand. Ça devait pas être facile de garder les secs. On n'a pas tenté. Et... En fait, on s'est dit que la pluie allait durer encore au moins entre 5 et 10 minutes. Et là, au moment du départ, on voit des nuages. Ah bon, bah du coup, compliqué. Coupé. Ouais. Et puis bon, en plus, moi, sous la pluie, j'ai bloqué plusieurs fois l'arrière. Du coup, j'étais en mode chicane mobile en plein milieu de la piste. Aïe, aïe, aïe. J'ai eu deux contacts avec... Enfin, quand j'étais déjà en tête à queue, quoi, limite. Mm-hmm. Et du coup, même en passant les secs, j'ai pas réussi à remonter. J'avais trop de dégâts, donc... Bon. On va dire qu'on va garder la première course. Ouais, c'est... en vrai, c'était cool quand même. Changement de météo comme ça, ça fait toujours des courses intéressantes. Ouais, c'est pas facile en termes de stratégie. Puis derrière, faut s'adapter. Faut prendre la bonne décision au bon moment. Faut pas trop tergiverser. Faut soit aller au bout de son idée ou soit changer rapidement. Ouais, chacun fait ses choix. Et ça a donné une course pétillante, je dirais, hein, Barbie. Oui. Et du coup, bah, c'était rempli plutôt cool. De champagne. Est-ce que t'as hâte d'être à Watkins Glen sur un format endu ou pas? Non. J'ai pas pu être là pour les sprints, deux courses à Watkins. Ça t'a arrangé? Oui, ça m'a arrangé parce que la voiture vraiment elle est nulle part. Et du coup, bah là, 1h30, ça va être long. On va y aller un petit peu à reculons, mais bon, on va la faire quand même. Oui. On va aller jusqu'au bout du championnat. Bon, après, on vous fait confiance. Vous savez les faire marcher, ces voitures. Ouais, mais là, c'était vraiment compliqué sur Watkins. On verra. En fait, surprenant. Comme la BOP... Ouais, on va essayer. Hein, mais comme la BOP, c'est une voiture ancienne, il y a des circuits où elle fonctionne très bien et des circuits, bah, elle n'est pas du tout là. Quoi. Ouais. On verra. Moi, je dis, vous pouvez nous faire des petites surprises. Ça peut être sympa, regardez. On vous fait confiance. est-ce que tu as un petit mot à passer, peut-être à qui que ce soit, avant qu'on te laisse tranquille à être le reposer quand même? Non, bah comme d'hab, merci pour le casque, pour l'organisation, et merci à ceux que j'ai croisés en piste, c'était cool. Désolé à ceux que, bon, c'est vrai que, en plus, la voiture est assez longue, donc quand elle est en travers sur la piste, ça prend de la place, donc désolé. Ok, ça marche. Le message est passé. J'espère qu'il sera entendu par les intéressés. Bah écoute, on te souhaite un bon repos. Félicitations pour ta victoire. Enfin une victoire tout seul. Eh ouais, victoire seule comme un grand devant. Et devant, pas n'importe qui. Hein. Il y avait Morcan, Mander, il y avait du monde. Donc félicitations à toi, repose-toi bien, on te dit à Watkins Glen au plus tard sur ce championnat. Et mais vous êtes aussi sur le press, vous? Ouais, là, en Ferrari. En Ferrari, c'est vous qui êtes sur la catégorie semi-pro ou pro? Non, on est en pro, ouais. Ouais, pro, vous, avec David, c'est ça. Du coup, ouais, vous allez sortir de ces 6 heures-là, comme nous?
Ben, on ne sait pas, parce que la date est censée être peut-être avancée. Je ne sais pas, j'ai On pas sait suivi le pas, vote. il y a, il y a une histoire que c'est pas validé parce qu'il n'y a pas 35 personnes. Il y a une histoire, ça reste là, mais commencera peut-être plus tard. Il y a discussion. Donc on verra par la suite. Je pense que Gary communiquera rapidement là-dessus. Sinon, dans le doute, bah, ce sera un bel enchaînement. Ok. Alors, oui, pas sûr du. Mais bon, on verra bien. Bon, ça marche. Eh bien, ouais, bonne écoute, soirée. bonne Et encore soirée à merci. toi et des bisous à la RST, puis à Jora. Ciao, Ça ciao. marche. Salut. Allez, c'était Antoine Drez de la RST qui a fait une belle course, même première course, hein, puis la deuxième fut compliquée comme il l'avait dit. Mon ami Barbie, on peut faire un récap sur, je te laisse faire sur les top 3 de chaque catégorie? Oui, bien sûr. Première course, le classement général est égal au classement pro, puisque Antoine Draz récupère la première place, Johan Morcan en deuxième et Arnaud Mander en troisième. Toujours sur la course en semi-pro, c'est Thiago Montino qui a récupéré la première position, suivi de Quentin Dragon et Fabien Nespoulous. Il va me Et tuer. enfin, en Pardon. amateur, toujours sur la course 1, Kezitem, Franck Hartmann et Romain Faou. Voilà pour la course 1. La course 2 a été relativement mouvementée, hein, puisqu'on on a pu le voir avec tous ces changements de pit. Le classement général, hein, comme on l'a vu, Brice Montérémard, Rousquet et Loïc Tenitri pour le podium général. Rousquet et Tenitri qui sont amateurs. On va y revenir juste après au podium amateur. Nous avons bien Brice Montérémard, David Neyoz et John Gohan pour le podium en catégorie pro. Sam Fischer, Mario et Quentin Dragon pour le podium pardon, Demi-pro. semi-pro et Rousquet Tenitri qu'on a vu tout à l'heure dans le général, suivi de Brock Brock pour qui le va chercher podium un podium amateur. AM. Ouais, Ouais, très très des AM beau, très belle course de sa part. qui ont fait un grand coup. Tous les AM qui sont partis en slick ont fait un grand coup ce soir et ont marqué de précieux points. Très sympathique comme format, je trouve. Félicitations encore une nouvelle fois à tous les participants d'avoir été au bout de leur course. On sait que certains ont eu des problèmes techniques, etc. Ils n'ont pas pu aller au bout, donc félicitations tout de même, hein. C'est pas évident tout le temps, on le sait. Moi-même étant victime d'un blue screen sur la première course, je m'en excuse déjà que voilà, cette course a été coupée au niveau du stream. Merci à Gary Hobson encore une nouvelle fois pour sa confiance et l'organisation de ce championnat pépite. Mon ami Barbie, bien sûr, pour le cast avec moi. Merci, plaisir toujours De de t'avoir rien. avec moi pour ces casts. On a remercié les pilotes. Bah, vous les viewers, merci de nous avoir suivis sur cette course. J'espère que ça vous aura plu. Et on n'oublie pas l'information. Le Donation Goal qui va être réalisé avec les 6 heures de Monza le 12 novembre à 14h en équipe de 2 à 3. Les équipages solo seront autorisés, mais s'il reste de la place par rapport au duo, priorité au duo, 6 heures de course sur Assetto Corsa Competizione en classe GT3 où il y aura Holoco LDLCOL, plusieurs streamers répartis dans des équipages, une commission de course en partie. Physique sur place et également le cast sur place au loco LDLCOL. Ça peut rendre une diffusion très sympa en espérant que tout ça vous plaise parce que c'est fait pour vous divertir, bien sûr. C'est fait pour se faire plaisir aussi sur la piste côté pilote et c'est fait aussi pour respecter un engagement auprès d'une belle cause qui était les 24 heures Forana que l'on avait réalisé et vous aviez donné sur ces donation goals. Quelques-uns ont été réalisés, les autres sont en cours de réalisation, dont celui-ci qui aura lieu le 12 novembre. On espère que vous serez au rendez-vous en tant que pilote et aussi en tant que viewers parce que ça annonce du bon ce genre d'événement. N'oubliez-le pas, on rameute pas mal de monde, on essaye de faire que ça marche. Il y a des marques, voilà, vous voyez sur l'affiche, hein, il y a quand même Adidas, Epos, Zoe, AK Racing, Raydion, LDLCOL qui voilà, nous fournit les locaux. Faut leur montrer qu'on mérite des événements quali, qu'on mérite leur attention. Et donc pour ça, il faut être au rendez-vous, il faut marquer l'histoire du sim racing français, donc francophone, hein, bien sûr, parce que nos amis belges, on les oublie pas, les Suisses, etc. C'est juste que je ne sais pas encore gérer de l'international, il faudrait que je bosse un peu mon anglais. Mais voilà, montrons Yes, que nous sommes he is présents. doubling the voiture. Yes, Ya! oh, it is in the gravel. C'est un peu ça, tu vois, c'est un peu ça. Donc on va éviter pour le moment l'international, on va déjà faire le francophone, ce sera déjà pas
pas trop mal. Amis simracers, amis juste viewers ou fans de cette chaîne qui va reprendre du service plus que plus, et pour mon plus grand plaisir et j'espère le vôtre, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nuit. Reposez-vous bien. Merci de nous avoir suivis sur cette sixième et septième manche du GT America organisé par Monsieur Gary Hobson, s'il vous plaît. Rendez-vous le dimanche 6 novembre, logiquement, pour la dernière manche. Il y aura peut-être un changement de date. On vous tiendra au courant, bien évidemment. De notre côté, rendez-vous le dimanche 6 novembre pour un 6h d'une heure Burgering du Project Reborn Endurance Series. Rendez-vous également fin octobre. Là, j'ai une course en WTCC du Touring Car, comme on avait fait la dernière fois. Mais là, apparemment, le championnat va vraiment commencer. Et je vais changer de voiture puisque j'aurai un coéquipier. Je vous en dis plus soon. On fera les affichages. On vous en dira un peu plus. Et derrière, bah, bien sûr, rendez-vous le 12 novembre. En attendant, ciao ciao, bye bye, la bonne nuit à tous, reposez-vous bien, et il faut que j'aille chercher la musique, donc vous allez avoir 30 secondes de pas de son. Ciao ciao, bye bye. Bye.